Salut les gamers, j'ai bien l'impression d'avoir sur la tête d'une heure 91 déjà. Comment ça va? Vous êtes contents d'avoir? On va passer une bonne émission ensemble sur la tête d'une 91. Tu limites là, j'en peux plus. Il limite super bien, franchement bravo. Qui c'est qui a fait cette blague? C'est toi qui l'as inventé? Bon, je balance, c'est Capucine qui travaille avec moi. Elle m'a dit, vas-y, fais ça en intro pour c'est coacher, moi, c'est trop drôle. C'est ça, comme ça. C'est la famille Elimer. Ah, on parle, ah oui, ça, on parle de toi. On parle de Elimer. D'accord, c'est une bonne langue. Comment Elimer. Ça va, Gauthier? Ça va, toi, comment ça va, super hein, non, ça va parfaitement bien. Mais oui, ça va super bien. Je suis content que tu sois notre invité chroniqueur intervenant. Ben, et merci, Gauthier, quel sérieux. Il m'a dit, en préparant l'émission, donne-moi les thèmes à l'avance. Je veux tout connaître. Je veux me renseigner. Il est au taquet. Les seules choses que je voulais pas, c'est les questions qui tuent. Les questions qui tuent, je voulais pas les savoir. Ah bah il y a des invités qui préfèrent savoir, il y a des invités qui préfèrent pas savoir. Nous, voilà, on fonctionne en fonction de ce que tu nous dis également et t'as préféré la spontanéité. C'est Gauthier, ça. Je te présente ces chères demoiselles qui sont à ta Bonjour. Droite. Nous avons Anissa. Bonjour Anissa. Bonjour. Nous avons Anna, Anna Citruc qui nous rejoint pour ce numéro 91. Anna, tu es assistante éditoriale pour la chaîne LCI et tu es avec nous en test chroniqueuse. C'est ça. Tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, ton parcours? Alors, donc moi, je travaille pour le média LCI. Je prépare tous les contenus pour les invités, tout le visuel, habillage, infographie. Je leur permets d'avoir un contenu assez solide pour pouvoir argumenter leurs propos. Et t'es content d'être avec nous? Je suis très contente de vivre cette expérience avec vous. Pas de pression? Et je pense que un nous, les invités, ça doit être différent non, chez LCI. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Et je te présente, Ginda. Vous connaissez déjà. Eh oui, vous vous étiez déjà vu sur le numéro d'Aja. Bon, bah, Ajatrice, Ajateur, bienvenue dans le numéro 91. Et qui dit numéro 91 dit année 1991. Et en 1991, il y a eu bien évidemment des naissances, et des naissances connues notamment. Il y a eu Dadju, il y a eu la meilleure amie d'Anissa, Capucine Anav, qui est née en 1991. Émilie ironique, non, Émilie Ratajkowski, ton ex, la mannequin. Magnifique. Elle m'a saoulé. Et ton pote, Anna Citruc, Antoine Griezmann. Griezmann. Ah oui, oui. Oui, Griezmann, Mann, voilà. Bon, non, c'est pas ton ex, c'est pas ton pote, c'est pas ta copine, mais c'est pas grave, ils sont nés en 1991. Taguez-nous, envoyez-nous vos stories devant Aja, devant ce numéro 91. Moi, mon kiff, je vous le dis, Gauthier, je te le dis, mon plaisir, c'est quand les Ajatrices et les Ajateurs, ils nous envoient leurs vidéos originales ou leurs photos avec du KFC, du McDo, du Quick, de la bouffe LC, un Pokéball, leur chien, leur chat, leur grand-mère, leur enfant. J'adore ça, je me régale, je retague tout le monde. Est-ce que tu vas retaguer? Je vais retaguer. Allez-vous retaguer? Bien sûr. Les stories dans lesquelles on sera identifié. La base. Alors faites-vous plaisir et vous serez dans nos stories. Alors le sommaire, il est très simple. Le up and down, nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine dans la télé-réalité. Énorme dossier, vous n'avez pas pu passer à côté de cette vidéo qui a créé énormément d'émules sur les réseaux sociaux. Ce sera le dossier de la semaine. Hicham, Dylan, Ahmed, Marvin Tilière mis en cause dans une vidéo dans laquelle on voit donc une jeune femme cible d'une virulente altercation. Et enfin, tu passeras sur notre barbecue. On passe du grill au barbecue, ça va être l'été. Gauthier, tu répondras à tes questions qui tuent. Allez. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on démarre tout de suite avec le up and down. Ginda, tu peux nous partager ton coup de cœur de la semaine. Gauthier, Anna, vous pouvez prendre exemple parce que vous allez y passer vous aussi. Alors moi, mon up cette semaine, il est pour la répartie de Maïsan. Oui, encore une fois, lors de son clash avec Anéa, moi, j'appelle ça carrément le Maïsan Show. Regardez. Alors, attendez, je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas reparlé sur mes réseaux, mais là, je viens de voir. Alors, je suis désolée, hein, mais à un moment donné, je ne peux plus. C'est... En fait, la meuf, pour aller à TPMP, elle va raconter que, genre, on lui demande des photos de 50 000 euros. Enfin, qu'on lui demande des photos d'elle pour 50 000 euros. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Tous les influenceurs pourront le dire. C'est une mytho. Juste pour passer sur TPMP, elle va inventer n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'information est complètement faussée. Parce que les gens sont tellement assoiffés de buzz, que ce soit certains blogueurs ou certaines anciennes candidates de télé-réalité qui racontent n'importe quoi sur les plateaux. Et du coup, les gens, ça, c'est n'importe quoi, que ce soit les salaires astronomiques qui sont complètement faux ou cette fille là qui raconte n'importe quoi, comme si un mec il allait payer 50 000 euros pour une photo d'elle. Enfin, à Dubaï, il y a des meufs qui sont 10 000 fois plus belles qu'elle, enfin bref, qui sont différentes, on va dire, et qui le font pour 500 euros et qui couchent carrément pour 500 euros. J'ai vraiment pas pour habitude de répondre aux personnes du troisième âge, ça me met très mal à l'aise parce que ça me fait penser à ma grand-mère, mais j'ai besoin de rectifier deux choses. Dans un premier temps, j'ai jamais dit qu'on me demandait d'envoyer des photos pour 50 000 euros. Alors je comprends que l'audition baisse avec les années, mais tu peux replay le passage sur TPMP. On me demande de passer des séjours à Dubaï pour 50 000 euros, ce que je n'accepte évidemment pas, contrairement à certaines, et quand je dis certaines, je parle de toi en fait, d'accord? Et dans un second temps,
si tu es énervé parce que tes tarifs sont trop bas, appelle tes clients. Tu vois, vous êtes assez intime maintenant, tu peux leur passer un coup de fil. Donc vraiment, vois avec eux pour négocier le tarif. Mais je vais t'apprendre un truc, ça s'appelle l'offre et la demande. Si tu as déjà été trop utilisé, à un moment donné, c'est normal que ça baisse. Ne m'en veux pas à moi, sachant que c'est pas mon marché, tu vois. C'est ton dos. Ne t'énerve pas vraiment, fais pas des snaps pour ça et tout. Je pense que tu as d'autres choses à faire. Prépare ta retraite, ça arrive vite. Et laisse-moi tranquille. Quand on dit que les mots peuvent faire aussi mal que des coups. Non mais moi je la trouve hyper drôle encore une fois, voilà, c'est de la répartie hyper marrante, il y a eu des petites réactions, apparemment vous n'êtes pas tous d'accord avec mon up, mais juste pour recontextualiser, en fait sur TPMP, Maïsan avait déclaré avoir reçu une demande pour venir à Dubaï en contrepartie d'une somme de 50 000 euros, sauf que Anéa a pris ses réseaux sociaux en disant pour aller sur TPMP, les gens sont prêts à raconter n'importe quoi. Personne ne paye 50 000 euros pour avoir des photos d'elle, que c'était une mytho. D'où la réaction de Maïsan après, et moi je la trouve hyper drôle. Mais il y a quand même une différence. Je comprends que ça énerve Maïsan, mais il y a une différence entre le discours d'Anéa et le discours de Maïsan. Moi, dans le discours de Maïsan, j'entends des accusations de prostitution. On va être clair. Vous l'entendez aussi. Tout à fait. D'accord. Après, ouais. Donc c'est très grave. Moi, il y a deux choses qui me dérangent, mais je comprends ton up parce que c'est vrai que la répartie, elle est là. C'est extrêmement incisif. Mais les deux choses qui me dérangent, moi, c'est le jeunisme, l'âge. C'est quoi ces problèmes avec l'âge? Je souhaite d'avoir l'âge Cora Anéa, d'avoir l'âge que les personnes. On prend tous de l'âge, c'est comme ça. Voilà. Bah ouais, parce que si Anéa, c'est une mamie, moi je suis quoi? Je suis déjà dans ma tombe là. Ah bah là. Ça m'a fait un peu mal au cœur, Maïsan, parce que bon, voilà. Non, mais voilà, moi j'ai trouvé ça drôle et je trouvais ça. Marrant de le mettre en up. Ouais. Tu très fort, peux passer à ton coup de gueule, ouais, Linda. Mon down cette semaine, il est pour Sarah Frézou, qui se moque d'une vidéo qu'a postée Poupette Kenza. Regardez. Je veux plus d'enfants. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Voilà. 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 Je suis désolée. J'étais obligée de la mettre, je suis désolée. Mais vraiment, non. Non, 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 non. Franchement, la pauvre, ça se voit qu'elle souffre. Je sais pas si elle en rajoute ou quoi. Mais frère, tu peux pas balancer ça sur tes réseaux sociaux. Non, sérieusement. Moi, par exemple, qui n'a jamais eu d'enfant, mais elle est en train de me traumatiser. Elle m'a traumatisée. Genre, même elle dans la vidéo, elle dit je veux plus d'enfants. Mais quelque chose qui m'a toujours fait flipper de ouf. Mais elle, non, je suis désolée. Non, j'ai rigolé. Ouais, vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai rigolé parce que je me suis dit à quel moment tu filmes ça et en plus tu le balances sur tes réseaux. Je comprends pas. Et là, on est arrivé à un niveau où la prochaine fois, voir un bébé sortir directement entre l'entrejambe, c'est normal de le filmer, de le poster sur les réseaux en fait. Je peux comprendre que ce soit le concept de tout partager avec sa communauté et c'est son concept de vie, hein, partage vraiment tout. Mais là, wesh! 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 Non, mais, wesh. Non, mais moi je peux pas me l'avoir. Franchement, c'est. Déjà, je l'aime pas, tout le monde le sait. Mais ça n'a rien à voir rien avec la voir. Story. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que là, la story, quand j'analyse ça, c'est pas elle de dire si un truc est bien ou pas bien. Enfin, elle est mal placée pour parler, je trouve. Super mal placée pour parler. Elle a fait tellement de trucs dans sa vie où elle s'est affichée sur les réseaux sociaux, elle s'est ridiculisée. C'est pas elle de juger si c'est bien ou c'est pas bien. Même si la vidéo. Elle est un peu ridicule. Moi, je pensais qu'elle rigolait à la base. Ah oui, toi, tu connaissais pas Poupette Kenza. Non, non, je pensais qu'elle. Bah oui, elle montre tout. Mais... Poupette Kenza, Jinda, tu peux y aller. Ah ouais, c'est pour ça que c'est exactement pour ça que c'est mon down, parce que oui, donc Poupette Kenza, qui ont été quasiment tous les jours sur Twitter, se filme donc à l'hôpital pendant une contraction. Mais oui, l'intervention de Sarah, qui ne comprend pas qu'on puisse tout montrer, tout filmer. C'est trop. Elle trouve ça drôle, mais nous on n'a pas trouvé ça drôle quand elle a proposé des produits pour resserrer le vagin. Donc voilà, donc il faut faire un peu, et pardon, mais si ça lui fait peur, faut pas qu'elle regarde Baby Boom sur TF1. Parce que Baby Boom sur TF1, on voit ce genre d'image de jeunes femmes qui ont des contractions dans une salle d'accouchement. Oh Anna, elle dit non. Moi je suis pas trop d'accord, moi honnêtement la vidéo elle me gêne. Après, oui, Sarah Frézou, elle est très mal placée pour juger. Quand on fait un placement de produit pour resserrer un vagin, on peut pas se permettre de juger ce genre de vidéo. De muscler. Par contre, oui, de muscler. Ouais. Par contre, quand on a des contractions et quand on est dans un état comme ça, déjà de se dire, je vais poser mon téléphone, je vais me filmer l'instant présent et je vais dire, je veux plus d'enfants alors qu'elle a même pas accouché. Mais ça fait de mal à personne. C'est hyper gênant.
Moi, j'ai trouvé la vidéo très gênante. Il y a des tweets qui sont passés, justement, qui, dans la lignée de ce que je pense, Doris qui dit « Non, mais le culot, Sarah Frézou, qui sort une vidéo de poupette l'a traumatisée. Donc, toi, tes vidéos de placement de produits pour resserrer les parties intimes des femmes ou même ton plâtre sur le corps, oui. C'est pas traumatisant. Je peux plus me la voir, celle-là. » Ou encore, JKNMFV, je sais pas comment ça se prononce, qui dit « Sarah Frézou qui vanne poupette, j'ai jamais vu un tel culot. » Ou encore, Nalal qui dit « Sarah Frézou qui se moque de poupette et de son contenu, MDR, c'est pas elle qui se fait plâtrer le ventre il y a pas longtemps. Pitié, vraiment. » Et petite chose aussi, ces derniers temps, tout le monde, et j'ai bien dit tout le monde, se filme exactement comme Poupette Kenza. Quoi ? Oui, si on regarde les stories de toutes les influenceuses, maintenant, elles filment tout. Quand je mets les draps sur mon lit, quand je prépare à manger, quand je vais chercher mes gosses. Tu penses que Poupette Kenza lance une tendance ? Ouais, exactement. Regardez bien maintenant les stories de vos influenceurs préférés et vous verrez qu'ils suivent tous Poupette Kenza, vous verrez. En tout cas, c'est ton analyse et merci de nous l'avoir partagée. Avec plaisir. Jinda, je vais offrir la parole tout de suite à la femme fatale du plateau. Elle est tout de rouge vêtue, sa coupe de cheveux est digne du festival de Cannes. Son rouge à lèvres ferait pâlir un vampire. Anissa, tu peux y aller pour ton coup de cœur de la semaine. Je suis gênée. Alors moi, mon coup de cœur, mon up, ce sera pour Tarek, la famille Benatia. Donc vous savez tous que Tarek et Nabila sont en froid. Et enfin, on a Tarek qui a posé des mots sur cette situation compliquée qu'il y a entre eux. Alors, il faut savoir que, bon, récemment, il a fait dans un reportage de Jeremy Star, il explique ce qui s'est passé. Donc, vous savez qu'entre frères et sœurs, c'est pas toujours rose, on le sait, c'est pas toujours la joie, voilà, on peut s'embrouiller. Et là, lui, récemment, il a expliqué, donc il y avait toutes sortes de rumeurs qui disaient que soi-disant, Tarek lui devrait de l'argent. Je sais pas si vous avez entendu cette rumeur. Ah bah, bien sûr qu'on en a entendu voilà. parler. Et bien, bah, que nenni, il lui doit rien du tout, c'est juste une histoire de conviction entre eux. En fait, c'est un problème entre eux deux, qu'Amélia nous explique que ça n'a rien à voir même pas avec elle, ça a à voir entre Tarek et sa sœur. C'est le frère et la sœur, selon Camélia. Exactement, il faut savoir qu'ils habitent tous les deux à Dubaï, enfin Nabila et Tarek. Il n'était pas allé à son mariage. Hein. Bah, justement, pas allé. Justement. Sa sœur, d'honneur. Exactement, donc Camélia devait être sa demoiselle d'honneur. Elle a même essayé d'apaiser les choses, elle a envoyé un message à la maman de Nabila, parce que justement, elle ne voulait pas rater ce mariage, et rien du tout, Nabila ne voulait pas faire la paix. Et donc aujourd'hui, on enfin, a... selon eux. Oui, selon eux, bien Désolé, sûr, mais je évidemment. Fais le rôle de service. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et on peut se dire, en fait, enfin moi j'ai une constatation, c'est que c'est en verbalisant qu'on peut dénoncer une situation. C'est-à-dire qu'à partir de décoincer une situation aussi, c'est parce que maintenant je pense que Nabila va regarder à quel point Tarek était blessé. On comprend qu'il aimerait que la situation change, bien que sûr. Leurs enfants grandissent ensemble. Camélia nous explique qu'il faut qu'elle aille sur Internet pour avoir des nouvelles de Milan. Donc c'est un peu, enfin c'est triste comme histoire. Après. C'est pas parce que Nabila ne parle pas que ça veut dire qu'elle est coupable de quoi que ce soit. Ah, bien évidemment. Parce qu'on ne connaît pas une histoire, on ne vit pas avec les gens et ne pas parler ne rend pas coupable. Juste, il y a le blogueur Skyres TV qui a fait un tweet. Mmh. Je sais pas si t'as vu. Il a fait un tweet où il a dit « c'est mon sang » pour reprendre les paroles de Tarek. Et Skyres a rajouté « ça me fait de la peine ». Non, « c'est mon sang, ça me fait de la peine ». Tarek en parlant de sa sœur Nabila. Et devinez qui a liké ce commentaire. Nabila. Ouais. Oui, voyez. Ah, mais c'est un geste. Ouais. C'est ce que tu disais, verbaliser, décoincer. Exactement. Et toi, Gauthier, tu t'es déjà disputé comme ça avec tes sœurs ? Oui, bah, plein de fois, tout le temps. Mais après, je trouve que là, c'est gros, je trouve, parce que même ça reste la famille, je pense, c'est un truc beaucoup plus profond. Est-ce qu'il y a vraiment 20 000 euros ? Je sais pas. Vous savez que voilà, ça fait c'est beaucoup d'argent. C'est une de 40 000 euros, mais... Ah, rumeur. 40 000, voilà, c'est plus. Mais après, moi, je pense que c'est peut-être plus profond, parce que moi, je sais que je me suis déjà embrouillé plein de fois avec mes sœurs. Mes sœurs s'embrouillent plein de fois entre elles. On s'insulte de tous les noms. Après, bon, moi, ça passe. Mais là, je pense que si vraiment, demain, je me dis pour quelles raisons je ne voudrais vraiment plus parler à mes sœurs, c'est vraiment un truc très grave, je pense, et peut-être qu'ils ne veulent même pas en parler eux-mêmes. Ben, je trouve que c'est bien d'être pudique un petit peu, ça nous regarde pas. Merci Anissa pour ton coup de cœur, tu peux passer à ton coup de gueule de la semaine avec ton down. Alors mon down, c'est cette vidéo sortie par Baro Ecos où l'on voit Nathan sortir de prison, je vous laisse regarder. Comme nous le savons, du coup, Nathan a participé à la première saison d'Objectif Reste du Monde, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette saison-là, dans le plus grand des secrets, dans le plus grand des calmes, Nathan, il se regardait à la télé en cellule. Ça veut dire que personne ne le savait, mais pendant la diffusion de Nathan quand il était à la télé, lui, il était en prison et il aurait été en prison pour trafic de stupéfiants.
Et d'ailleurs, les anciens amis de Nathan auraient pris un avocat à 7 500 € pour sa défense et pour qu'il sorte au plus vite et pour éviter que les infos fuitent sur les réseaux sociaux par rapport à son image, etc. parce qu'il était en pleine diffusion. Je sors de prison aujourd'hui, 22 juin. Ah là 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 là. Incroyable. Ça arrive même au meilleur. Même au meilleur. Regardez, grâce à toi. Les patati, les patatas. Mais alors, elle sort d'où Nathan, cette vidéo, une story? Moi, d'après ce que j'ai compris, ce que Nathan a expliqué, c'est que c'était un proche qui. Enfin, lui, cette vidéo, il l'a envoyée à un proche. Et c'est un proche qui l'aura envoyé au blogueur. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que c'est mon down. Parce que je trouve ça quand même inadmissible qu'à chaque fois un candidat soit mis en lumière, qu'un proche se permette de vouloir l'éteindre en rabâchant le passé des gens. C'est pas parce que Nathan a fait de la prison qu'en sortant de prison, ce soit pas quelqu'un de bien, ouais, en fait. Carrément. Je veux dire, il a payé sa dette, il a été en prison. Pourquoi à chaque fois ramener le passé des candidats? Et moi, franchement, ça, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Oui, mais pour toi, donc, il aurait pas fallu que le public sache qu'il est allé en prison? Mais je veux dire, ça pourrait venir de lui-même. Je pense que derrière, il y a une certaine... Ouais. Voilà, il aurait pu en parler de lui-même. C'est quelque chose... Enfin, c'est compliqué quand même. Et là, je pense que ça a été un petit chantage derrière. Peut-être que Nathan savait... Alors moi, les blogueurs, ils font leur travail. Hein. Je dis pas que Varo Ecos n'aurait pas dû la sortir. Il a fait son travail. Moi, ce que je reproche, c'est... Parce qu'apparemment, ça serait peut-être quelqu'un de très proche de Nathan. Parce que cette vidéo, il l'a envoyée à quelqu'un... Après, et Barbeco, ça a même sorti les conversations, justement, entre cet ami et Nathan. Voilà. Où il dit qu'il s'est regardé à la télé et tout. Et puis moi, j'ai eu Nathan hier en message et au téléphone. Ah. Mais Nathan, je sais que c'est un amour. Comme tu dis, il y a quelqu'un qui est en prison, qui sort, ça peut être quelqu'un de bien. Mais je connais des gens qui sont en prison, c'est des personnes bien, bien aussi. Sûr, c'est pas parce que tu vends... entre guillemets, des choses illégales, que tu n'es pas quelqu'un de bien. Alors attention, hein, oui. On rappelle quand même évidemment, que, c'est illégal, voilà, etc. Il y a des choses qui sont illégales. Enfin, et que bien, si un juge et des magistrats décident à incarcérer quelqu'un, il peut y avoir des erreurs, mais ils ont aussi leurs raisons. Oui, bien sûr, mais après, pour moi, voilà. Bon, s'il a vendu ça, peut-être qu'il voulait se faire de l'argent, je ne sais pas, bref. Mais je trouve que où commence le bien, où commence le mal. Après, est-ce qu'il a nié? Tu lui as posé la question? Ah non, il n'a pas nié, non. Il a clairement dit que oui, c'est la vérité. Il est sorti de prison, il a vraiment été. Après, pendant la diffusion du Reste du Monde. Oui, il a regardé sa propre émission, comme le dit Varo Ecos, il s'est regardé dans sa cellule. Ce qui se dit apparemment, c'est que l'avocat qu'avait Nathan a été payé 7 500 €. Utilise le conditionnel quand on n'est pas sûr. Aurait été payé 7 500 €, donc les frais d'avocat, que Nathan n'aurait pas remboursé. Et c'est pour ça que ses amis auraient un peu le seum contre lui et auraient... comme ils n'ont pas remboursé, c'est pathétique, c'est pitoyable à chaque fois de salir quelqu'un comme ça. Bon, moi j'ai contacté... vas-y. Dire, moi après je sais un truc, puisque Nathan il m'a clairement dit hier en message vocal qu'il était en train de faire des procédures pour éteindre des procédures avec la justice, pas à travers les réseaux, à travers la justice. Comment ça, éteindre des gens avec la justice? Peut-être, par exemple, ça peut être des gens, ça peut être des gens connus, ça peut être des gens inconnus. Moi, il ne m'a pas dit qui, clairement, pour ça, je dois l'avoir au téléphone. Mais des gens qui... Peut-être le mec qui a diffusé cette vidéo, je ne sais pas, parce que je sais que Nathan, concrètement, il aurait pu faire une story en disant, voilà, je vais en prison, désolé, j'arrête les réseaux, il y a un problème. Il aurait pu le dire, s'il ne l'a pas fait, je pense qu'il y a une raison. Mais moi, il m'a clairement dit qu'il voulait, à travers la justice, éteindre des gens, que ça allait coûter très cher, parce que quand on prend un bon avocat, ça coûte cher, c'est pas des commis d'office, mais qu'il allait faire les démarches. Ok, très plus. Bien. Il va s'exprimer, je pense. Voilà, j'ai quand même, c'est important de le dire, j'ai contacté Nathan, je lui ai proposé de s'exprimer aujourd'hui, qu'il puisse nous expliquer sa version de l'histoire. Et il m'a répondu qu'à ce jour, il l'attendait de s'entretenir avec son avocat, ça va se comprendre. Voilà, merci Anissa. De rien. And down. Anna, c'est à toi. Tu peux nous partager ton tout premier coup de cœur. Alors, mon up, c'est Nabila qui a dévoilé le terme de sa grossesse. Donc, elle est maman pour la deuxième fois. On s'en rappelle tous, dans Les Anges 5, elle avait indiqué son manque d'intérêt pour les enfants. Elle était allergique. Donc, pour vous citer ses anciens propos, elle avait dit qu'elle ne supportait pas les enfants, qu'ils étaient bien mignons. Il n'y a pas de souci, mais il faut arrêter tout le temps de faire semblant. « Oh, il est trop mignon, mais qu'est-ce qui vous ressemble? Il est trop chou. Non, mais allô. » Donc, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, car Nabila va être maman pour la deuxième fois. Elle a gardé cette grossesse pendant longtemps mystérieuse. Mais elle a dévoilé mardi sur Snapchat la date à laquelle elle allait accoucher, donc le 5 juin. Fille ou garçon, Thomas et Nabila l'ignorent encore, on en parle après l'extrait. J'ai préparé toutes les valises parce qu'on va bientôt partir à Paris et là il reste 3 semaines, donc voilà, je sens que je suis sur la fin. Comme je disais, je suis excitée, j'ai peur en même temps, parfois je pleure, parfois je souris, parfois voilà, j'ai plein d'émotions, mais je suis trop heureuse, je suis à la fin de ma grossesse et...
je pense, comme toutes les femmes, à la fin, on est excitées, on est trop contentes, on est impatients et tout. Donc, voilà, quand je reviendrai, bah, j'aurai deux bébés, deux enfants, dont un dont on ne connaît toujours pas le sexe. Voilà, on a tenu jusqu'au bout. On s'était dit avec Thomas, celui-ci, il est arrivé par surprise et on voulait garder la surprise jusqu'au bout et on a réussi. Donc c'est trop cool, on a trop hâte de savoir. On a déjà les prénoms. Il y a de plus en plus de couples, hein, qui ne veulent pas connaître le sexe de l'enfant. Pour le gender reveal, ça met encore plus d'émotions. Bon, certains des internautes espèrent qu'elle attend une fille, moi aussi, parce qu'au moins c'est mixte. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent et qui espèrent pour elle qu'elle ait un petit garçon, parce que voilà, les deux fils à maman, les deux princes à maman. En attendant, une chose est sûre, c'est qu'elle ait un bébé en bonne santé, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Bah exactement. Juste, pourquoi elle rentre à Paris? Pour accoucher, bah pour accoucher, oui. Certainement. Ah. Mais elle avait exprimé, pourquoi? Ah. Bah non, mais voilà. Bah non, si, tu vas jusqu'au bout de ta pensée, parce que tu as le droit de la communiquer, ta pensée, Jinda. Bah non, mais pourquoi rentrer en France pour accoucher? Je peux te répondre? Oui. Il me semble qu'elle l'a expliqué, et elle disait sur ses réseaux sociaux qu'elle avait tout simplement envie d'être proche de sa famille, proche de sa grand-mère, pour qu'ils puissent voir l'enfant quand il arrive au monde, et être tous en famille. Ah. Elle pense à un autre. Non, elle pense que parce que c'est gratuit, cher, non? C'est la sécurité sociale. Aussi. Est-ce que tu penses sincèrement, ouais, avec tout le compte en banque qu'elle doit avoir, que venir en France? T'as raison. C'est nécessaire. Ouais, oui. Bah, c'est toujours des économies. Il n'y a jamais trop de raisons. Bien évidemment. Après, peut-être que les soins sont différents à Dubaï. On n'est pas pris en charge de la même façon. Elle en profitera pour faire quelques rendez-vous professionnels, mais surtout pour accoucher aussi. Bah oui, oui, voilà. Mais moi, je pense sincèrement que c'est pour avoir sa famille auprès d'elle. J'avais croire voilà. Ouais. Non, j'ai le droit d'y croire quand même. Mais bien sûr. Bah oui. Merci Anna pour ce coup de cœur. Tu peux passer à ton down. Alors, mon down de la semaine, c'est Maïva Guénam qui a avoué à ses abonnés regretter sa chirurgie plastique et ne plus aimer son corps. Alors, ça fait quelques temps qu'elle diminue les injections, devient de plus en plus naturelle. Bon, tout est relatif. Mais là, on a l'impression qu'elle veut suivre la tendance Kim Kardashian. Exactement. Alors, à l'époque, elle disait être amoureuse de son corps, aimer ses formes, se vanter clairement sur ses stories. On se pose quand même la question, donc si elle n'est pas influencée par cette tendance Kardashian, parce que quand même, Kim Kardashian, au Met Gala, elle a perdu 7 kilos en 3 semaines pour entrer dans une robe Marilyn Monroe. Qu'elle a trouvé. Je vous laisse regarder quand même les images. Elle a quoi? Elle a troué la robe. Mais t'étais avec elle? Oui, j'étais derrière elle. Ah, c'est son ex aussi. J'étais... Ah oui, il a la cote. Hein. Beyoncé aussi, je t'ai pas dit. Ouais. On te laisse poursuivre. Alors, oui, on se met peut-être toute la pression avant l'été pour avoir le body goal. Ça me dérange pas. Ce qui m'interpelle, c'est son placement de produit juste après pour garder du volume et des fesses rondes. Ah. Alors qu'elle prône des corps skinny en disant que c'est son rêve de ressembler à ses fans qui ont une petite poitrine, des petites fesses. Elle fait ça très bien d'ailleurs dans sa vidéo, hein, parce qu'elle a fait un placement de produit juste après en mettant encore son corps en valeur. Face à la caméra, très axée sur les formes, je vous laisse regarder la vidéo. J'aime plus mes fesses, je trouve ça vulgaire, j'ai envie de les enlever. Les filles, regardez. Je vous montre mes fesses dans un legging et vous voyez mes fesses, elles sont bien bien rondes. En fait, c'est parce que j'utilise du coup ma crème donc avec de la Volufine. Et en fait, il faut la laisser pénétrer, enfin la faire pénétrer, bien masser à chaque fois après la douche, bien faire pénétrer et ça donne du volume. Donc du coup, c'est comme ça que je garde mes fesses rondes. Je vais les enlever mes fesses les gars. T'as quoi tes sœurs quand elles moi, ont fait ça? Elles ont fait un placement comme ça et j'aurais dit que c'était n'importe quoi. C'est quoi la vasodilatation? En fait c'est des crèmes en fait qui marchent avec la vasodilatation. En gros, j'ai un truc, une bêtise. Si je te mets une grosse claque sur le bras, le sang va affluer et ça va gonfler un peu. Voilà, bah c'est tout le sang qui afflue en fait. D'accord. Voilà, comme les lifting colombiens, tu sais, on aspire le sang et du coup la fesse est bombée pendant 15 minutes. Voilà. Après c'est pire, hein. Au début c'est super et c'est à la fin ça retombe encore plus. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, tous ces influenceurs, est-ce qu'ils prônent vraiment des placements de produits honnêtes? Parce qu'on ne peut pas dire à ses abonnés, oui, moi, voilà, je veux retrouver un corps skinny, j'aime plus mes formes, et deux secondes après, faire une story en mettant, voilà, alors si vous voulez avoir un corps comme moi, regardez mes fesses, elles sont hyper bien galbées. Moi, je trouve que c'est un manque d'honnêteté. Et par la suite, en plus de ça, influencer ces jeunes à consommer des produits où je ne sais pas si elle en connaît les ingrédients, les produits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'impact et l'influence des Kardashian fonctionnent en ce moment pour Maïva Guénam. Et j'ai une petite question. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, on a tous souvent critiqué les tailles mannequins, que toutes les filles lambda ne pouvaient pas se refléter en voyant les magazines ou les vitrines.
Pour vous, être bien dans sa peau, cette histoire de chirurgie, de changer de corps, est-ce que ce n'est pas une tendance en ce moment ? Ah, le skinny ? Oui. Ah bah, revenir au skinny. Mais apparemment, mais c'est comme on disait, il y a 20 ans, c'était les sourcils très fins, maintenant c'est les sourcils épais. C'est comme la mode, hein, regarde les vêtements, pareil, maintenant les friperies. C'est comme le legging d'Anissa, grave à la mode en 2010 et ça reviendra en 2030. Et vous trouvez ça raisonnable d'en faire une promotion ? Je t'adore, ma chérie. Mais je sais. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable d'en faire une promotion ? Non. Je vais laisser répondre les filles et Gauthier. Bah non, non, faut prôner le body positive, mais dans le sens où chacun... Enfin voilà, si vous vous sentez pas bien dans votre corps, faites du sport. Exactement, n'est-ce pas, Gauthier ? C'est ça. Voilà, allez voir des médecins spécialisés. Allez, mais enfin, si vous voulez, il y en a qui veulent grossir, il y en a qui veulent maigrir, mais il faut le faire en fonction de soi et pas suivre une tendance, quoi. Ouais, le corps n'est pas une mode. Non, mais après, c'est les réseaux sociaux qui font ça aussi maintenant. Aussi, oui. C'est... Maintenant, c'est malheureusement, c'est comme ça. On va avoir une photo. C'est sûr qu'une fille, on voit ses fesses, elle a plus de likes. On va mettre toutes ses fesses en photo. C'est on ça. Va un peu photoshopper la photo. Si et on a les moyens, on va faire la chirurgie. Si on n'a pas les moyens, on prend la crème à 10 euros avec un code promo. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Merci, Anna, pour ce append down que tu nous as préparé. Gauthier, c'est à toi. Tu peux y aller avec ton coup de cœur de la semaine, ce que tu considères être ton up et que tu veux nous partager. Alors, mon up, c'est un down, je pense, pour beaucoup de personnes. Moi, c'est l'histoire un peu magnifique qu'a fait Neula pour vendre sa voiture. C'est-à-dire que je voulais découvrir la vidéo et comme ça au moins on regarde après. Vous savez que je prépare mon départ et cette fois-ci, je ne garderai rien en France. Alors j'ai eu une idée pour faire profiter des gens, certains même qui n'auraient peut-être jamais pu s'offrir ça. Je mets ma voiture à vendre à 1 euro, je vais tout vous expliquer. Mercedes classe A 2018 full package AMG première main diesel. Pour participer, via mon lien Litchi, faire un don de 1 euro, pas plus. Bien marquer votre nom et prénom. Le nom et le nombre de participants seront visibles que par moi-même, donc marquez bien votre nom pour le tirage au sort du 12 juin. Alors, petite vidéo pour vous faire quelques petites précisions. Déjà, pourquoi Litchi ? Litchi parce que c'est ce qui est le plus simple pour mettre en place cette participation. Il suffit de cliquer sur le lien, pas besoin d'avoir un compte, etc. Ensuite, précision aussi, pas la peine de mettre plus de 1 euro. C'est juste 1 euro parce que le but, c'est de pouvoir repartir avec ma voiture en ayant mis juste 1 euro. Bien mettre votre nom et prénom, je serai la seule à le voir. J'ai caché le nombre de participants et le prénom des participants. Du coup, c'est important de le mettre parce que le 12 juin, je vais choisir via votre nom et prénom. Ensuite, pouvoir venir chercher la voiture dans le sud de la France. Donc le tirage au sort, il sera le 12 juin. Je vous garantis aussi que je suis la seule à l'origine de cette idée. Donc c'est pas un jeu concours, les trucs fake et tout. C'est ma voiture que je vais offrir à quelqu'un. Et je vous garantis aussi que mon entourage ne participe pas. Donc ce sera vraiment un tirage au sort qui sera fait au hasard. Une personne que je ne connais absolument pas. Alors pourquoi c'est moi ? Puis je m'explique parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais c'est une arnaque comme il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Pour moi c'est mon up parce qu'en fait je trouve que l'idée elle est super bonne. D'ailleurs cette idée je sais pas s'ils l'ont copié mais c'est un américain en fait qui avait lancé ça, il avait vendu, il voulait vendre sa maison 200 ou 300 000 dollars. Il a pas réussi à la vendre, du coup il s'est dit bah attends j'arrive pas à la vendre, je vais faire une cagnotte parce que c'est en Amérique les loteries il y en a partout dans les supermarchés, partout. Il a mis 1 dollar à la maison. Tirage au sort, il y a quoi ? Il y a 2-3 millions de personnes qui ont joué. Donc lui, il s'est fait 3 millions de dollars. Mais quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens a eu une maison à 200-300 000 dollars. Donc là, c'est non, le même principe. Oui, à 1 dollar du coup. Donc moi, je trouve que c'est super parce que là, quelqu'un qui n'a pas les moyens peut avoir une voiture à 1 euro alors qu'elle vaut 40 000 euros ou peut-être plus. Après, ouais, moi, je comprends. Moi, ça je trouve que c'est une bonne idée par rapport à ça. C'est illégal en France. Si tu promets une voiture à 1 euro, ok, moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, par contre, pour le tirage au sort, tout ça, voilà, il y a une légalité en France, c'est que ça doit être contrôlé par un huissier. Alors, c'est exactement ça. Huissier ou notaire, un truc comme ça. C'est exactement voilà, ça. Ça doit être ça. Voilà, ça doit être bien encadré, en fait. Et là, en l'occurrence, bah, c'est pas encadré. Mais par contre, c'est une idée. On sait pas, on sait pas. Ça peut permettre à celui qui a pas les moyens de pouvoir une voiture. C'est pour ça que pour moi, c'est un up, parce que je trouve que quelqu'un qui a pas les moyens peut avoir une voiture. C'est une idée de génie. Ah, mais moi, très bonne idée, je la trouve. Et elle se fait peut-être plus d'argent aussi, donc tant mieux pour elle. Elle va peut-être gagner moins, elle va peut-être gagner plus, mais au final. Au final, elle arnaque personne. C'est moi, ça. Je la crois. En plus, Neouda, elle n'est pas du tout dans les placements de produits bizarres. Elle n'est pas dans les arnaques. Donc, moi, je la crois sincèrement quand elle propose ça. Mais moi, ça ne me choque pas du tout. Par contre, je me dis, imagine, je sais pas, tu n'as que 600 tickets qui sont vendus à 1 euro. Ouais, elle va lâcher sa voiture à 600 euros. Bah, oui. Après, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait aussi. Il n'y a pas une condition. Je la lâche à 20 000 tickets vendus minimum. Ah, peut-être. Après, je sais pas. Ça, je ne sais pas plus. Mais je sais que... Avec les followers qu'elle a. Et le kilométrage de la voiture, quand on achète une voiture, on a besoin d'avoir un kilométrage. Ouais, mais à 1 euro, tu l'achètes la voiture. C'est comme un mec. Un mec à beaucoup de kilométrage. Mais je crois que Antoine a fait la même chose avec une moto. Ah, ça, je savais pas. Alors, expliquons qui est Antoine. À lequel ? Bah, notre Antoine. À notre Antoine. Ouais. Coucou Antoine. Ah ouais, c'est vrai. Il a fait la même chose avec une moto. Est-ce que ça a marché ? Et il a gagné. Elle a gagné plus. Et quelqu'un a une moto moins chère. Voilà. Voilà, exactement. Est-ce que c'est illégal ?
Par contre, c'est Antoine qui m'a dit qu'il fallait qu'il y ait le kilométrage quand on achète une voiture. Voilà. Il m'a aussi dit que le diesel était en train de disparaître. Et que l'avenir, c'était l'hybride. Voilà, et que ça baissait la valeur de la voiture. Ah, et qu'on trouvait la même voiture à 26 000 euros sur le bon coin. Il a fait larguer, c'est tout. Merci pour ton âme, Gauthier. Tu peux passer à ton coup de gueule au travers de ton down. Mon coup de gueule, c'est un coup de gueule mignon parce que c'est sur Maeva Genam et un placement de produit. Voilà, Maeva Genam, c'est vrai que c'est beaucoup de second degré. C'est mignon parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de sujets un peu plus dramatiques qui vont arriver derrière. Malheureusement. Donc je trouve, regardez la vidéo et on va voir un peu Maeva. Mon bébé, moi, comme j'ai été assistante dentaire, je me la raconte trop parce que je connais tout des dents, parce que ben, j'ai été diplômée. Du coup, moi, je me nettoie entre mes dents avec cette machine. Donc, vous l'allumez. Et il y a un gros jet, regardez. Il y a un gros jet, il y a une taille entre les dents. C'est trop rien. Elle craque trop bien. Regardez. On dirait un car wash, c'est-à-dire que là, on s'en fout partout. Ouais. C'est une douche. Ah, mais là, c'est carrément une douche. Et alors, pourquoi ton down? Bah, mon down, parce que c'est encore un placement, si je peux dire, pour moi. Déplacé. Ouais, voilà, de bip, de merde concrètement. Voilà. Parce que voilà, c'est encore une arnaque. Enfin, pas une arnaque, oui. Non. C'est pas une arnaque, mais tu te mets l'eau dans la bouche. C'est pas un détartrage non plus. Enfin, tu vois, même ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Ma mère, elle a ça. Et alors? Elle a l'appareil, tu sais, que tu branches l'appareil, là, comme chez les dentistes, tu sais, et ça t'envoie des jets d'eau, machin. Ben non, je la vois faire, ça met pas autant d'eau. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est un carreau. Après, voilà, c'est drôle. C'est un down parce que pour moi, c'est encore un placement nul. Mais c'est drôle parce que Maeva du second, enfin c'est pas du second degré, c'est Maeva en fait. Pour moi, Maeva elle fait même pas exprès de faire ça. C'est-à-dire que là, elle prend l'argent qu'il y a à prendre avec la famille Garcia parce que c'est des brillances. Et puis tout se passe bien. Après c'est drôle, tout le monde en rit, mais pour moi c'est encore un placement nul. Comme il en est. Merci Gauthier de nous avoir partagé ton humeur de la semaine. Merci aussi à vous les filles. Dites-nous votre humeur de la semaine. Quelle aurait été votre up? Quelle aurait été votre down si vous étiez autour avec nous autour de la table sur le plateau d'Aja? Vous nous le dites, ça se passe juste en dessous. À moi de vous communiquer mon up. Mon up, il est pour Ayam Noor, donc une ancienne star de télé-réalité qui, selon moi, va devenir une véritable star du cinéma. Regardons sa story. Star carrément, oui. Ouais. Ouais. Petite visite des lieux. Hello. Hello, bonjour. Hello. Coucou. Hello. Ça, c'est la dame qui nous crie dessus toute la journée. Esquive de la loutre. Eh oui, Gauthier, après avoir fait ses premières armes, ses premiers pas de comédienne dans la série Hollywood Girl, qui était diffusée à l'époque sur NRJ 12 entre 2012 et 2015, Ayam fait ses premières armes dans le cinéma. Et je vais vous dire pourquoi c'est mon up. Déjà parce que j'aime la fraîcheur des stories qu'elle a postées, parce que j'ai toujours trouvé, et je trouve sincèrement qu'Ayam a quelque chose dans le regard. Je pense qu'elle a beaucoup plus à nous offrir. Je pense que sa discrétion qu'elle a depuis quelques mois, depuis quelques années, elle l'a mise à profit de tous ses nouveaux projets qu'elle avait envie d'embrasser et je pense que ça va être un grand succès. Elle a obtenu un rôle donc dans le prochain film de Quentin Delcourt. Ce film s'appelle Impatiente. Elle campera le rôle de Nora, une chef infirmière. C'est un film tiré d'une histoire vraie qui va se situer pour poser le décor dans un hôpital psychiatrique. Et on a obtenu, grâce à Jinda, parce que tu le connais, hein, c'est ça, tu le connais, Quentin Delcourt. Je connais pas le réalisateur personnellement, je connais un comédien qui joue avec Ayam dans ce film. Et bah oui, bah grâce à toi, on a pu obtenir en exclusivité une vidéo du réalisateur, du scénariste, du producteur également du film, bien sûr, qui s'appelle Quentin Delcourt et qui nous en dit plus sur sa relation avec Ayam et qui va nous parler de Ayam, actrice. C'est un bon ami, ça. Bonjour, moi c'est Quentin Delcourt, le réalisateur, producteur et auteur de Impatiente, le film dans lequel donc Ayam Noor va faire ses débuts au cinéma français prochainement. C'était un vrai plaisir, on a fini le tournage il y a 2 semaines. Désolé, il y a un peu de bruit autour de moi, mais je suis à l'aéroport, pardon. Alors, j'ai rencontré Ayam il y a 1 an et demi au festival Pluriel. Elle était venue voir un film, celui de Yamina Benguigui, Sœur. Et on a tout de suite cliqué, c'est devenu une amie. Et j'ai vraiment perçu en elle directement une grande profondeur, une grande générosité et beaucoup de talent. Donc elle avait un peu peur au début d'arriver dans le cinéma et en fait elle a tellement travaillé
même si c'est inné chez elle, mais ça, faut pas trop lui dire. Elle a tellement travaillé, elle est allée se renseigner dans des hôpitaux psychiatriques, elle a rencontré des patients, elle a rencontré des infirmiers. Et sur le tournage, elle a été à la hauteur des actrices qui partageaient l'affiche avec elle, à savoir Aïssa Maïga, Lindan Pham, Agnès Soral et Anaïs Parello, dont certaines sont d'ailleurs césarisées. C'était un gros challenge pour Ayem. Elle a assuré, préparez-vous à la voir très souvent au cinéma, j'en suis convaincu. Et on a hâte de vous partager les images de Nora, l'infirmière en hôpital psychiatrique, jouée par Ayem Noor. À très vite. Une vraie exclusivité, hein. Ouais. Vraiment le réalisateur Quentin Delcourt qui nous en dit plus sur le rôle d'Ayem. Je trouve ça juste incroyable. Merci beaucoup Quentin Delcourt pour cette vidéo. Et qu'est-ce que tu disais? C'est une belle reconversion. Ouais, je trouve que c'est une très belle reconversion, surtout qu'en plus on sait très bien que quand on vient de la télé-réalité, on n'est pas forcément bien vu dans des entre guillemets vrais métiers. C'est que, je sais que Nadège a mal vécu ça parce qu'elle est comédienne. Nadège Lacroix. Elle a fait des pas mal de tournages où justement les acteurs qui étaient avec elle ne la prenaient pas pour une actrice et se foutaient un peu d'elle. Donc franchement, c'est une belle reconversion et c'est pas évident. Mais vous voulez que je vous dise, je pense que dans l'avenir, on va avoir droit à de plus en plus de reconversions d'anciens candidats de télé-réalité. Bah, ouais. Tout le monde n'aura pas le talent. Ah non, tout le monde n'aura pas. Ah mais bien sûr. Et vous avez entendu ce qu'il a dit? Elle est allée se renseigner, ouais. Elle a travaillé tout son rôle, elle est allée parler à des patients dans un hôpital psychiatrique. Après, ça ne change pas beaucoup la télé-réalité. Elle est perfectionniste, Ayem. Quand elle fait quelque chose, elle le fait bien, elle va jusqu'au bout. Et vous allez voir que, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle parce qu'elle a d'autres projets derrière. Premier film aux côtés d'Aïssa Maïga, d'Agnès Soral et tout. Ça, c'est bien, franchement. Ah ouais, c'est des pointures du cinéma français. Hein. Elle a percé. Faut le dire. Donc, c'est pour ça que c'était mon up. Je vais passer à mon down. Et alors, mon down, c'est un down pour la semaine de Melanite. Parce que c'était... Ah bah oui, c'était une semaine remplie de down pour Melanite. On va tout de suite commencer avec son sac à main qui a beaucoup fait parler. Bah oui, Melanite, elle a vécu une sacrée mésaventure. Alors qu'elle se trouvait chez un coiffeur, il y a un jeune homme qui est entré dans le salon pour lui voler son sac à main, comme ça, et pas n'importe quel sac, hein. Elle possédait un Birkin de la marque Hermès, un sac qui valait aux alentours de 7 400 €. C'est un sac qui peut atteindre des sommes astronomiques jusqu'à plus de 400 000 € parfois. Regardez l'état de Melanite à ce moment-là. Les amis, il m'arrive un truc de ouf là. Bah ouais, mon Birkin en fait. Mon Birkin avec ma carte bleue. J'en veux plus. Je vais me faire cambrioler. Enfin, cambrioler, je vais faire voler mon sac en live. C'est génial. C'est super. Bande de clochards, la tête de ma mère. Espèce de fils de pute de chien, la tête de ma mère. Eh, hey, tu vas être maudit à vie. Je vais te maudire. Eh, hey, putain. La tête. Leur sac, wesh. Non, je rigole pas. Ah non, mais pas pour non, c'est parce qu'avec Anna, on disait la pauvre, elle a même pas fini ses extensions. Bah oui, alors ce qui s'est passé en salon de coiffure, c'est qu'ils ont consulté les caméras de vidéosurveillance de la boutique. Toute la scène, elle a été filmée. Melanite a décidé délibérément de diffuser les images où on peut clairement identifier le visage du jeune délinquant. Nous, on a choisi de le flouter. Regardez. Ouais, mais attends, la mets pas tout de suite, parce qu'il va voir qu'on voit pas sa tête, là. Ah si, on va voir sa tête, là. Attends, elle est là. On la voit bien, sa tête. Mmh. Espèce de fils de pute. Attends, tu l'as enlevé, là. Grosse merde, espèce de con, va. Non, mais on rigole pas pour... Non, mais c'est pas... C'est... Non, c'est comment elle parle, quoi. Voilà, c'est... Espèce de fils de... Ça sortait du cœur. Bon, alors, est-ce que vous comprenez que ça a été reproché à Melanite qu'elle affiche le visage, l'identité de son voleur? Pas du tout. Elle a même été très critiquée sur les réseaux sociaux de collabo. Les gens ont même commenté sur Twitter. De toute façon, il fallait pas voter Macron. Vous savez à quoi vous attendre. T'es qu'une collabo. Tu l'as dénoncé juste parce qu'il était black. Oui, mais elle a répondu à ça. Elle a dit bonjour à tous et à toutes depuis le vol dont j'ai été victime. Je vois et je reçois énormément de messages d'amalgame à caractère raciste et haineux. Sachez que je ne mange pas de ce pain-là. Je condamne fermement tous ces propos. S'il y a des personnes qui me suivent, qui partagent ce genre d'idées racistes, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Unfollow. Bah oui, on n'était pas du tout raciste en fait. Enfin, non, à un moment donné, ce qui me fait mal au cœur, c'est que c'est elle qui passe pour la coupable, alors qu'à la base, elle a été victime de quelque chose qui est profondément, et sans parler du prix du sac ou quoi, c'est psychologiquement, franchement. Alors, je suis d'accord. Après, oui, Jinda. Bah, en fait, ce qu'elle aurait pu faire, c'est, étant donné qu'elle avait les vidéos, elle avait donc le visage de cette personne, c'est se rendre dans un commissariat de police en disant, voilà les vidéos de surveillance du magasin dans lequel j'étais et eux feront leur travail derrière. Sauf que là, afficher effectivement ce jeune homme, c'est interdit par la loi déjà, donc elle-même, elle se met en porte-à-faux. Est-ce qu'on doit combattre l'illégalité en étant soi-même illégal? C'est ça la question. Quand bien même on estime qu'on est victime, tu vois. Elle est impulsive.
Ouais. Elle est impulsive, elle a fait ça dans la colère. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais peut-être fait pareil, honnêtement. Ouais, non, mais c'est... Après, encore une fois, c'est le problème des réseaux ou des influenceurs. C'est vrai que sur le coup, tu te fais voler ton sac, tu es dans un salon de coiffure, tu te fais voler ton sac. Le réflexe, c'est peut-être d'abord d'appeler la police plutôt que de prendre son téléphone et de dire « on m'a volé mon sac ». Enfin... Après mais... Vas-y, je t'en prie. Le voleur, quand il est rentré dans le salon de coiffure, de base, il est rentré pour demander de la monnaie. C'est ça. Donc, il a bien vu que c'était Melanite. Il avait l'air jeune. Donc, j'imagine qu'il connaissait cette personne-là. Il prend quand même des risques en faisant ça. Parce que même si elle n'avait pas posté la vidéo et qu'elle était partie porter plainte, il aurait des grosses répercussions. C'est quand même une personnalité publique. Après, Melanite disait qu'apparemment, c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Et que dans la même semaine, il avait fait ça à 3 autres boutiques. Dans la même rue. D'après d'autres commerçants, ouais. Selon Melanite. Hein. Ouais. Voilà. Et cette semaine-là, elle était riche en rebondissements aussi pour Melanite, parce que malheureusement, il n'y a pas eu que cette mésaventure-là. Et c'est Varo Ecos et Nabil qui ont dévoilé au travers d'Aneia une discussion enregistrée entre Aneia et Romain, dans laquelle on entend Romain qui fait des déclarations assez terribles sur Melanite, et Aneia a choisi de le diffuser. On entend « c'est un démon, elle ne peut rien dire, genre quand elle a dit qu'elle a des vidéos de moi qui l'a frappée, c'est du gros mytho, moi j'ai des vrais dossiers sur elle, je peux l'enfermer pendant 15 ans de prison, elle a brûlé le visage d'une meuf à l'acide pour de l'argent, elle avait même travaillé dans une maison close, elle lui envoyait des meufs pour se faire violer, elle volait de l'argent quand elle était notaire, elle faisait des signatures, elle faisait passer des gens pour morts », ce à quoi Melanite a répondu sur les réseaux sociaux, elle a dit « les amis, soyez intelligents, mon père c'est pas Macron, je ne suis ni au-dessus des lois, ni au-dessus des procédures, j'ai pas de casier j'imagine, et I'm not Marco Mouli. Si ça veut mentir, mentez, mais mentez bien. Si vous êtes d'autres michetos du roi des michetos, j'en ai plein de stock. Love you, merci Aneia, vous faites un beau couple et le chantage ne marche pas. » Suite à ça, Romain a posté une story où on le voit devant un commissariat. Alors, contre qui va-t-il porter plainte? On l'a contacté, Romain Ben, on lui a demandé s'il souhaitait répondre, s'exprimer, nous expliquer sa version de l'histoire. Il nous a dit, si je ne me trompe pas, que la justice se règle au tribunal et pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, donc il passera par cette voie-là, mais c'est vrai qu'on peut se demander contre qui il a porté plainte. Est-ce que c'est contre Aneia pour avoir divulgué un échange entre eux? Est-ce que c'est contre Melanite? En fait, toi, Sam, tu parlais des audios qui sont sortis d'Aneia, mais sauf qu'après, il y a des photos que le blogueur Nabil a sorties de Melanite avec le visage tuméfié, qui laisserait sous-entendre que ce serait Romain qui aurait levé la main sur Melanite. Est-ce qu'elle s'est exprimée, Melanite, là-dessus? Est-ce qu'il s'est exprimé, Romain? Pas du publiquement. Tout. Par contre, il y a eu des trucs aussi avec le... Comme quoi elle avait fait un lifting. Le truc, c'est qu'il y a aussi des screens qui sont sortis où Mélanie dit à Romain explicitement « tu m'as frappé ». Donc ça, c'est des screens qui dataient, tu vois. Donc c'est vrai qu'après, quand tu fais le lien, tu te dis « bah oui, vu qu'il lui répond pas. Hein. Quand elle lui dit « tu m'as frappé », il lui dit « c'est bon, j'appelle mon père pour venir prendre mes affaires ». Il lui dit pas « je ne t'ai jamais frappé ». Donc c'est pour ça que ça peut mettre... Après, on voit pas ce qui s'est passé dans les conversations avant et tout, parce que peut-être qu'il tellement marre qu'il répondait plus, c'est bon, j'ai récupéré mes affaires. Il faut prendre en compte que Romain ne s'est pas encore exprimé, ne s'est pas encore exprimé sur ces faits-là publiquement, donc il faut être extrêmement précautionneux. Et ben voilà, c'était les up and down. On va tout de suite passer au dossier, et le dossier, il est quand même très lourd. Voilà. J'aurais aimé qu'on parle pas à nouveau d'histoire aussi sombre dans Aja, mais malheureusement, ça fait partie de l'actualité du milieu de la télé-réalité en France cette semaine. D'ailleurs, Pure Break a titré « Hicham violent avec une jeune femme devant Dylan Thierry, Ahmed et Marlene Tillière ». Une vidéo fuite, ils réagissent. Terra Femina, un candidat de télé-réalité violente une femme et ses amis se marrent. Next Please, Hicham, Dylan, Ahmed et Marlene, ils se filment en train de frapper une femme. Public, une vidéo d'Hichem, GLC Family, en train d'agresser une fille devant Dylan Thierry et Marvin Tillière, fuite sur la toile. Je vous propose de lancer le magnéto et puis on va décortiquer, analyser cette vidéo, analyser les défenses également de Dylan, de Hicham, de Marvin et de Ahmed, et ainsi que la prise de parole de l'avocate. Maître Sylvie Nowakowicz qui s'est exprimée sur le plateau de TPMP. Récemment, une vidéo où l'on voit des candidats de télé-réalité avoir une altercation avec une jeune femme a été diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation des internautes. Tu passes ta pute de merde là. Casse ta pute de merde ici là. Casse ta pute de merde ici là. Putain, je m'appelle si je te baisse ta main. Dégage ça. Dégage. Dégage. Lâche-moi, je vous baisse tout.
Suite à la diffusion publique de cette vidéo, les protagonistes ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et il y a des filles dont une qui est venue et qui a tenté de voler de l'argent et des bijoux. Et on l'a attrapé en flagrant délit. J'ai pété les plombs, je suis sorti de mes gonds, mais je ne l'ai pas frappé. Je l'ai peut-être malmené, je l'ai attrapé, je l'ai tiré. J'étais très énervé et croyez-moi, je ne l'ai pas frappé. Je ne frappe pas les femmes. Si je leur ai frappé, je leur ai envoyé à l'hôpital depuis longtemps. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Hicham, il a vu ça. Il la prend par le bras, mais fortement. Genre, il la prend par le bras et au début, nous, on comprend pas. Surtout qu'elle crie et tout. Genre, elle crie direct, mais on comprend pas pourquoi elle crie. Genre, il la prend par le bras, on comprend rien de la soirée, tu vois. Et à un moment donné, il dit « Ouais, elle t'a volé, elle t'a volé. » Elle pète un plomb, elle devient incontrôlable. Même ses propres copines qui étaient là n'arrivent plus à la gérer. Et c'est de là qu'on filme. Ouais, du style « Ouais, t'es une voleuse, on t'a eu, on t'a attrapé. » Elle commence à insulter tout le monde, cracher sur tout le monde. Et c'est de là où je vous dis, et j'en suis pas fier, mes propos, ils sont dégueulasses. Mais ce que je dis, c'est dégueulasse, c'est pas beau à voir. Mais faut avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. On sait que là, il y a une vidéo qui est sortie, ça fait le buzz, etc. C'est beaucoup plus profond. Il faut rentrer bien à l'intérieur. Et s'il y a des personnes qui ne veulent pas le rentrer à l'intérieur, des gros de force, je vais vous faire rentrer, soyez prêts. Mais qu'en est-il vraiment de toute cette histoire? Décryptage en plateau. Bon, alors nous, vous l'avez vu, on a fait le choix de flouter hein, le visage de cette jeune femme parce qu'elle n'a rien demandé, tout simplement. Elle se retrouve exposée de partout sur les réseaux sociaux et on imagine que ça doit être difficile également pour elle. Cette vidéo, est-ce qu'elle est un élément suffisamment accablant contre ces candidats, selon vous, ou au contraire, est-ce qu'on a besoin de tenants et d'aboutissants comme il répète Gauthier? Bah pour moi, non, déjà, cette vidéo, elle veut tout dire. C'est pas parce que tu te fais voler, surtout par une femme, soit dit si elle a volé, hein, c'est aussi le truc, voilà, que tu dois être violent avec une femme. Peu importe ce qu'elle te fait, déjà, t'es un homme, t'as pas à être violent, tu peux, si tu veux, séparer, faire les choses. Mais moi, je trouve que rien que cette vidéo, déjà, elle suffit déjà pour les mettre tous en tort. Hicham, fois 1000. Mais tous les autres, parce qu'il y a eu des mots, on en parlera sûrement après. Oui, rapide tour de voilà, table. Mais non, moi pour moi, ça suffit carrément pour les accabler et les enfermer. Anissa. Pour moi, c'est très violent, mais ouais. Il reste encore des tenants et des aboutissants. Il y a des zones d'ombre encore pour moi. Anna. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des tenants et des aboutissants. Maintenant, en regardant la vidéo, ça reste des protagonistes qui ont des antécédents. La vidéo est choquante. Jinda. Si on parle juste du postulat de la vidéo, elle est accablante de violence. De fou. Ça, il n'y a pas de... Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Après, il faut aussi creuser pour connaître l'avant et l'après de cette... Okay. Et ben, je vous propose d'analyser ce qui est à notre disposition, à la disposition du public. Et pour l'instant, si on veut rester factuel, c'est cette vidéo que nous devons regarder et analyser. Regardons-la. Tu passes ta pute de merde, là. Casse ta pute de merde ici, là. Putain, je m'en fous si je te baisse ta main. Dégage, ça. Dégage. Ta main, dégage. Lâche-moi, je vous baisse tout. Voilà, ben je vous propose de dire chacun ce qu'on a ressenti en voyant cette vidéo. Je vais commencer, hein, je me permets. Moi, cette vidéo, je l'ai vue sur le groupe qu'on a, parce qu'on a un groupe où on s'envoie des vidéos, des posts, des actualités. C'était juste avant d'aller me coucher, samedi dernier. J'ai super mal dormi, autant vous dire, j'étais traumatisé. Je me mettais à la place de cette jeune fille, je me disais, mais quelle horreur de se retrouver de partout, déjà sur les réseaux sociaux, sans être flouté, première chose. Et deuxième chose, j'ai trouvé ça indignant, choquant, ahurissant. De voir ces personnages, je parle que de cette vidéo, sur l'instant de cette vidéo, ces personnages rigoler, dire « tu veux la baiser ?»« Oh non, je touche pas de ce pain-là. »« Oh, elle t'a craché dessus. Oh, » avoir des gestes d'une violence incroyable face à ce que je vois, une jeune femme qui semble pas avoir ses pleines capacités, peut-être parce qu'elle a bu, peut-être parce qu'elle a eu des excès, ça je ne sais pas, je n'étais pas là, mais si je m'en tiens juste à cette vidéo, je me dis « mais déjà, je comprends même pas pourquoi se filmer. » Je suis complètement outré. Il n'y a aucune excuse, c'est inacceptable, on ne doit plus voir ça. Et je me dis que si je vois ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache? Quel est l'arbre qui cache la forêt? Je n'en peux plus de voir tout ça, sincèrement. Voilà, à vous, et désolé, j'espère que je n'ai pas plombé l'ambiance. Mais c'est, voilà, on a dit, c'est marqué sur mon conducteur, on dit ce qu'on a ressenti, c'est ça que j'ai ressenti sur le moment. Anna. Moi, ce que j'ai vu dans cette vidéo, je trouve ça inadmissible de voir que peu importe les faits qui se sont passés, on sort son téléphone pour filmer.
l'acte présent pour aller le diffuser. C'est des gens qui ont une certaine visibilité. C'était quoi le but de diffuser ces vidéos? C'était quoi le but de même de les envoyer à des proches? Il y a une grosse violence psychologique qui a pour but de déstabiliser cette jeune femme, de la blesser psychologiquement, mais aussi de la soumettre. On voit qu'elle est en position de soumission, elle est à terre, il n'y a personne pour l'épauler, il n'y a personne pour lui parler, ils sont trois en train de rigoler et se foutent d'elle. Moi, je trouve ça choquant. Ok, donc ça, c'était ton analyse, ta réaction, c'est ce que tu t'es dit en voyant cette vidéo. Anissa, première réaction, première impression, émotion face à cette vidéo. Alors, première réaction, choquée, outrée, surtout, je ne comprenais pas. Alors, je ne dis pas que je comprends Hicham, attention, très loin de là. Quand je vois Hicham dire que lui, il ne savait pas ce qui se passait derrière lui, parce que quand tu dis « ça me choque qu'on filme », lui, Hicham, il n'a rien à voir avec le fait que ce soit filmé, on est d'accord. Mais maintenant, si eux, ils n'avaient pas filmé derrière, parce que c'est eux le plus qui me... Ça m'énerve quand je les vois rigoler, quand je les vois... Enfin, prendre ça comme un amusement, franchement, c'est... Oh, t'as envie d'être là-bas carrément, leur dire « oh », tu vois. Mais là, je peux... Hicham, quand il dit qu'il n'a rien à voir, qu'il n'aurait pas voulu filmer, mais je me dis « mais heureusement que ça a été filmé ». C'est pas filmé aujourd'hui, la fille, elle monte, elle descend, on la croit pas. Donc d'un côté, heureusement que ça a été filmé. Jinda, première réaction. La première réaction, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, la vidéo, elle est violente. Que ce soit la réaction d'Hicham, que ce soit les gens qui regardent, les gens qui filment, les gens qui rigolent, les gens qui n'apportent pas assistance, violence. Et enfin, Gauthier, première réaction et après on va analyser les défenses des protagonistes. Bah moi, la première réaction, c'est que j'avais envie d'être dans la vidéo pour leur mettre tous une gifle dans la gueule, en fait, concrètement, c'est ça. Oui, carrément. Voilà, c'est le premier truc qui me vient. Là, je réponds de but en blanc. Mais la violence ne règle pas la violence. Ouais, mais il y a des moments, il n'y a pas le choix, j'ai l'impression. Parce que ces mecs-là, ils n'ont jamais rien eu, ils n'arriveront jamais rien, sauf peut-être grâce à cette vidéo, puisqu'ils sont assez cons pour filmer leurs conneries. Donc tant mieux. Et deuxième truc, c'est que dans ma tête, je me dis, enfin, ils vont payer à cause de leurs conneries parce que bah, ils sont trop cons, ils se sont filmés. Mais voilà, première réaction, c'est j'avais envie d'aller dans la vidéo pour mettre. Mais qu'est-ce qu'on sait sur les dessous de cette vidéo? Parce qu'elle date, cette vidéo. Ça date d'il y a un an et demi, je crois. Il y a un an, ouais. Il me semble que c'était... C'était l'été dernier, non? Oui. C'était l'année dernière, ouais. C'était l'année dernière. On sait juste que c'est Hicham qui l'a posté de lui-même parce qu'il savait qu'elle allait être postée, puisqu'il y a apparemment un blogueur qui a proposé 30 000 euros contre cette vidéo. Donc Hicham, il a dit personne me menace, moi je vais la sortir. Donc elle a été sortie par le propre protagoniste. Mais pourquoi 30 000 euros contre cette vidéo? Je comprends pas. Qui sait quoi? Faut qu'on puisse éclairer nos agiatrices et agiateurs clairement. Alors c'était l'année dernière, donc c'était en 2021 à Dubaï, c'était dans l'appartement de Dylan, Thierry. Ce soir-là, il y avait donc Dylan, Marvin, Ahmed Taï et Amir, et ainsi que des jeunes filles. Cette jeune fille, pour le coup, personne ne la connaissait. C'était l'amie d'une amie qu'ils avaient invitée à cette soirée. D'accord, donc dans une soirée. C'était dans une soirée, exactement. Comment cette vidéo elle est sortie? C'est le blogueur Nabil qui a d'abord posté une photo sur ses réseaux sociaux d'une femme à terre avec les mains d'un homme sur le visage avec indiqué « Cette femme a été massacrée par plusieurs candidats de télé que vous connaissez tous. Elle hurle à la mort et tout le monde est mort de rire dans la vidéo. » J'ai la haine qui monte, rien qu'en postant, je suis dégoûtée de ces gens. Il a fait un espèce de teasing, juste avec cette photo et ses paroles. Et quelques temps après, Hicham, de lui-même en fait, a fait une story sur son compte Snapchat en disant « Je préfère vous prévenir, c'est moi qui suis dans cette vidéo je vais vous la montrer, je ne veux pas que quelqu'un en fait me menace ou me fasse du chantage, donc je vais la sortir de moi-même. » Et c'est pour ça que cette vidéo est sortie sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vois cette action de sortir la vidéo de lui-même, Hicham? Comment tu lis entre les lignes, toi, Gauthier? Moi, concrètement, non, c'était juste parce que, peut-être que, le seul truc où il dit vrai, Hicham, c'est comme quoi, il voulait pas qu'on lui soutire de l'argent. Ça, peut-être que c'est vrai. Après, je sais aussi, de la part de Nabil aussi, qu'il y a d'autres vidéos, qu'il y a d'autres témoignages d'autres filles de Dubaï. Ils ont fait ça à Cannes aussi, d'après ce qu'on m'a dit. D'après ce qu'on m'a dit. Mais s'il te plaît, plein de précautions. Voilà, je mets de la précaution d'après ce qu'on m'a dit, comme quoi il y a d'autres vidéos qui vont arriver et des témoignages de filles qui sont de Dubaï comme de Cannes, donc à d'autres soirées. Et Maître Novakovic sur plateau de TPMP, donc l'avocate de la plaignante et de sa famille, disait en exclusivité à Cyril Hanouna qu'il y avait une autre victime et que ça allait sortir prochainement. On en parlera après de ça. Moi, je pense que s'il a voulu poster cette vidéo, c'est pour se dédouaner, entre guillemets, parce qu'il avait peur qu'on la sorte, c'est pour se déculpabiliser et faire passer la crème plus facilement en montrant « Ah bah regardez cette vidéo, il n'y a pas grand-chose ». Moi, je pense sincèrement que quand on voit les candidats de télé à la télé et quand on les voit dans cette vidéo, déjà, il y a un monde. On a l'impression de voir leur vrai visage
Et quand il a voulu publier cette vidéo, je pense que c'est pour rassurer son image, rassurer ses abonnés, parce qu'il savait très bien que si ça sortait et pas de sa part, ça pouvait exploser encore plus que maintenant. Qu'est-ce qu'on sait de ces soirées? Qui sait quoi? Est-ce que vous connaissez du monde, Gauthier, toi qui es dans le milieu également, qu'est-ce qui se passe dans ces soirées? C'est quoi ces soirées? Ça fait un moment qu'on entend parler de soirées. Bah après, il y a beaucoup dans ces soirées-là. Le truc, c'est qu'il y a des gens de télé, parce qu'on s'est médiatisé parce que c'est des gens de télé. Après, il y a beaucoup d'inconnus qui font ça. On a parlé de l'affaire avec le caca à Dubaï, où c'était le même style de soirée, mais un peu plus scatophile, on va dire. Mais à Dubaï, il y a plein de soirées comme ça, et ça fait des dizaines d'années que ça se passe. La vidéo, elle a tourné partout déjà à Dubaï, elle sort que maintenant. À cette vidéo-là? Ah bah oui, tout le monde l'a vu à Dubaï. De cette soirée, tout le monde savait qu'il y avait cette vidéo, tout le monde. Donc d'autres candidats, plein de candidats savaient ça? Les gens de la soirée. Donc ça fait un an et demi, excusez-moi, c'est important, que des gens savaient, que beaucoup de gens dans le milieu savaient, et continuaient de faire tourner ces candidats en télévision. Je vais dire un truc tout simple, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, regarde, t'as raison, oui, je réponds à ta question, oui, et même je vais aller plus loin, regarde, combien de candidats de télé-réalité où les producteurs et tout le monde savaient qu'ils frappaient leurs copines pendant les tournages et qu'ils étaient encore là pendant des années. Tout le monde savait qu'il était violent avec les femmes sur les tournages. Pourtant, il le reprenait chaque année, jusqu'au jour où je l'ai balancé et que je me suis embrouillé avec le producteur des Marseillais pour qu'il le remette. Et sinon, il sera encore en télé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toucher l'opinion publique pour que certains agissent. Regarde, tout à l'heure, on parlait de... je suis d'accord, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on dit qu'il ne faut pas servir des réseaux sociaux pour la justice. Alors oui, il y a une justice, mais la justice avance plus vite grâce aux réseaux sociaux. Bien sûr. On se fait beaucoup plus entendre sur les réseaux sociaux que si on ne publie rien. Mais il s'y passe quoi concrètement dans ces soirées? Est-ce que tu en connais, toi, des candidats de télé-réalité? Je ne parle pas d'eux, je parle en général. Est-ce que l'idée, c'est de faire venir des filles? Quel est le profil de ces filles? Qui sont ces filles? Qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qu'elles font avec ces candidats? Après, oui, alors, il y a beaucoup de ces filles qui font des boulots où c'est des escortes. Il y en a clairement, et il y en a qui ne sachent pas, oui, je prends des escortes dans ma chambre, voilà, ok, pas de problème. Il y a beaucoup de filles, c'est pour la célébrité, ok. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'il faut les violenter ou faire des choses mal avec elles. Enfin, la fille, elle ne veut pas, tant pis, même si tu l'as payée, bah, tant pis pour toi, c'est pas pour ça que tu dois la frapper, la fille. Mais il y a plein de soirées, Hicham, pareil au conditionnel, il a déjà fait des soirées avec Benjamin Mendy, footballeur en prison pour viol. Dis-moi qui tu traînes, je te dirai qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Si toutes les personnes qui ont fait des soirées avec Benjamin Mendy sont des agresseurs. Alors attends, les soirées comme ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas que à Dubaï, c'est partout. C'est pas que avec des candidats de réalité. C'est ce que je dis, c'est partout. Donc à un moment donné, bien évidemment, à l'époque, moi-même, on me demandait de ramener des filles, beaucoup de filles dans les soirées, un petit peu légères, pour passer une meilleure soirée, pas trop lucide. Dans le rap, pas. Voilà, mais dans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un abus d'influence, un abus de statut, de célébrité. Dis-leur qu'il y a un tel, C'est la phrase que j'ai entendue tout le temps. Mais même dans, on peut inverser aussi. Il y a même des femmes célèbres qui ramènent des hommes aussi. Il y a aussi des hommes michetots. Honnêtement, c'est un peu moins. Mais ça existe. Mais pour cette Toy Boy, pour cette soirée-là, en l'occurrence, pour avoir parlé avec deux de ses protagonistes. Mais pourquoi ils parlent pas là? Ils me confirment. Parce qu'on leur a proposé de s'exprimer. Non, mais c'est important de le dire. Pardon, Jinda. Non, je dis pourquoi les protagonistes ne parlent pas là? On leur a dit qu'on allait en parler aujourd'hui. C'est important quand même. L'histoire est grave. La vidéo est choquante. Je pense qu'ils auraient dû parler. Parce que tout ce qu'ils vont dire, ça va être retenu contre eux. Oui. Et si jamais ils sont en procès, c'est compliqué. Ah oui, il a bien parlé. Pardon, Jinda, de t'avoir coupé. J'ai coupé. Je suis coupable. Non, mais en tout cas, pour avoir donc parlé avec deux de ces protagonistes, ils me confirment tous les deux, mais c'est leur parole, que ce ne sont pas des escortes, et qu'elles n'ont pas été payées pour venir à cette soirée, que c'était des amis, des connaissances. Donc ces jeunes filles sont venues passer la soirée et c'était un after. Parce qu'on a parlé d'une soirée, mais c'était un after. Donc, ça a commencé vers 5-6 heures du matin. C'est pour ça qu'il fait jour, sur les vidéos. Et que, donc, cette jeune fille, en l'occurrence, qui s'est fait agresser, était l'accompagnante d'une des amies invitées au préalable. Je vous propose de passer en revue maintenant les propos des protagonistes. Chacun a pris leur story. Ils ont tous fait des très longues stories pour s'exprimer, pour s'expliquer. Et on en parle juste après, on va commencer avec celle d'Hicham. C'est simple, l'année dernière à Dubaï avec la team GTA, vous vous souvenez avec la team GTA, on avait fait des soirées de temps en temps, on a fait une soirée dans un appartement et il y a eu des personnes qui ont été invitées. Et il y a des filles dont une qui est venue et qui a tenté de voler de l'argent et des bijoux. Et on l'a attrapé en flagrant délit. Ce qui fait que moi je suis sorti de mes gonds, j'ai pété les plombs. D'accord? Dans la vidéo, on va
J'ai dû faire croire que je l'ai frappé, chose qui n'est pas vraie. Si vous regardez bien la vidéo, j'ai tapé dans le mur avec ma main. Je peux même vous mettre la photo de ma main, comment elle était gonflée. Certes, j'ai employé des mots très violents, j'étais très énervé. J'avais mal à la tête, j'étais en train de péter les plombs parce que je me suis dit, on invite des gens dans des soirées, dans des moments entre nous, pour se faire voler derrière. Je me suis pas emporté seulement, juste comme ça. Je suis pas fou. La vidéo, je vais vous la sortir de moi-même. J'assume à 200%, même si vous allez me dire que ouais, t'as été trop agressif, t'es machin. Je mets n'importe quelle personne au défi d'attraper quelqu'un qui se fait voler, qui le vole en direct, son argent ou ses bijoux, et voir comment vous allez réagir. Moi, je suis pas forcément fier de la manière dont j'ai réagi, mais je suis comme ça. J'ai pété les plombs, je suis sorti de mes gonds, mais je l'ai pas frappé. Je l'ai peut-être malmené, je l'ai attrapé, je l'ai tiré. J'étais très énervé et croyez-moi, je l'ai pas frappé. Je frappe pas les femmes. Si je leur ai frappé, je leur ai envoyé à l'hôpital depuis longtemps. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Et bah la finalité, c'est qu'après, ça s'est arrangé l'histoire. Donc voilà pourquoi ça n'a pas été plus long que ça. Parce qu'en vrai de vrai, elle est en tort. Elle a fait des choses qu'elle n'aurait jamais dû faire. Alors je l'ai malmené, je l'ai attrapé, je l'ai tiré, mais je ne l'ai pas frappé. Est-ce que c'est de la violence aussi, oui, même sans frapper? Oui, Anna. On n'a pas besoin de frapper pour terroriser une personne. C'est de la violence verbale, les mots sont forts. La situation fait que la victime n'a plus la maîtrise d'elle-même. Elle, on ne l'a même pas entendu s'exprimer, elle ne fait que pleurer, de hurler. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de fracasser quelqu'un pour qu'il soit terrorisé et blessé physiquement. Après, il y a verbal et physique aussi, parce qu'il dit que je l'ai tiré. Il a tiré quelqu'un comme ça et tiré. Moi, si je te tire de toutes mes forces, excuse-moi, mais c'est violent aussi. Surtout un homme. Surtout qu'il fait 1m90, Hichem, il fait pas loin de 100 kilos quand même. Ça doit faire peur. Tirer en étant énervé parce qu'il dit qu'il est sorti de ses gonds, qu'il a pété de ses plombs, ou pas pété les plombs. Je pense pas qu'il l'ait tiré en mode comme je promène mon chien, quoi. Comment vous analysez sa story? Comment vous analysez ses explications, Anissa, Jinda? Bah moi, je trouve qu'il essaye de se rassurer lui-même comme il peut. Autant, il croit vraiment à ce qu'il dit. Hein. Moi, non, mais c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il a vraiment l'impression de l'avoir vécu comme ça. Donc, il parle de ce qu'il a vécu. Sauf que pour lui, peut-être que comme il dit, je ne l'ai pas frappé. Mais pour nous, une c'est femme, ça. Quand un homme qui est en plus grand comme lui vient nous attraper par le bras, ça fait très, très peur. Je peux comprendre la victime. Donc, à mon avis, il essaye de, voilà, de moi, se cacher moi, derrière. Non, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est quand il dit je mets tout le monde au défi de voir comment il aurait réagi, t'invites quelqu'un, tu te fais voler, machin, tout ça. Moi je peux être au défi, y a pas de souci, j'appelle les flics. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Direct. C'est ça. C'est ça. Je fais pas ça, mais bon, ça n'engage que moi. Mais je me dis comment on peut être extrêmement énervé, et je le conçois qu'on soit extrêmement énervé si on prend quelqu'un en train de voler, si c'est le cas, bien que l'avocat, on parlera plus tard, dit que c'est de la diffamation, puis finalement accepter que cette personne reste. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'ils lui ont plusieurs fois, alors c'est ça aussi, alors le paradoxe il est là, c'est qu'ils lui ont demandé plusieurs fois de partir, de dégager, mais la seule solution c'était quoi? C'était encore de l'attraper par les cheveux et de la dégager. Donc du coup ils l'ont laissé. Mais moi ce que je comprends pas... Mais Dubaï c'est une ville sécure, t'appelles les flics, ils arrivent rapidement. Oui d'accord, mais tu sais, faut se mettre aussi dans l'ambiance de la soirée. À un moment donné, pourquoi, moi, pour moi, à contrario de toi, pourquoi cette fille reste après ce qu'il s'est passé? Moi, la première chose que je fais, j'appelle la police, je pars en courant. Parce qu'on n'est pas dans la peau de cette jeune femme. Ah, exactement. Et que si on n'a pas nos pleines capacités, peut-être que tu réagis différemment. Alors, que tu aurais réagi si tu étais complètement lucide. Et sa copine, là, en noir, ou les autres filles qui étaient là. Elle ne pense pas à appeler la police. Je vais laisser ma pote comme ça, moi. Je suis d'accord aussi. Elle ne pense pas à réagir. Après, c'est une zone d'ombre. Elle a eu peur aussi, d'ailleurs. Mais attends, pas. Je suis désolée, vous êtes plusieurs. Il y a plusieurs filles. Solidarité. À un moment donné, tu vois ta pote par terre, ou même si tu ne la connais pas, tu vois une fille par terre. Mais à quelle heure tu la laisses comme ça? Et en plus, vous continuez la soirée. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'après, la copine, c'est une vraie copine? Est-ce que c'est pas une copine? Dubaï, en mode juste copine. Tu connais les potes d'amitié aussi. Alors, je ne dédramatise pas en prenant ça comme excuse. Mais peut-être que quand tu n'es pas pleinement, je ne parle pas que de la jeune fille, hein. Je pense peut-être que ce n'était pas la seule, mais ce n'était pas pleinement dans tes capacités, alcool ou autre chose, ben, tu réagis peut-être vraiment différemment qu'en temps normal. Parce que Hichem, ce qu'il dit aussi, c'est que la jeune fille était alcoolisée et que quand il l'a surpris donc, en train de voler, elle aurait pris une bouteille qu'elle l'aurait menacée avec, qu'elle lui a craché au visage et qu'elle l'aurait aussi insulté de tous les noms. Voilà pourquoi lui, ça l'aurait aussi énervé. Ok, on va regarder tout de suite les propos de Dylan Thierry. Honnêtement, je vais pas faire le mec, quoi. Je suis trop déçu, machin. Je vais me remettre en question. Non, je sais exactement tout ce qui s'est passé. J'étais là du début à la fin. Je vais même vous dire une anecdote. C'était chez moi il y a 2 ans. Tu vois, là, je te parle d'une vidéo d'il y a 2 ans. Peut-être j'en ai déçu quelques-uns. C'est normal parce que je rigole de la vidéo et tout.
Mais c'était il y a 2020. Tu vois, on est en 2022 et je m'en contrefous carrément. Je m'en contrefous carrément parce que je suis en 2022. Dire que faire le mec, ouais, on est hyper choqué. Eh frérot, t'es hyper choqué, t'écoutes Chris Brown tous les jours dans tes écouteurs et tu serais prêt à te marier avec lui. Alors qu'il a tabassé Rihanna, tu vois ce que je veux dire? Elle va dans mon dressing et à ce moment-là, je vous le dis honnêtement, elle me prend, je vais pas dire, je vais vous dire la vérité, en vrai, elle me prend des bijoux Cartier. Hicham, il a vu ça, il la prend par le bras, mais fortement. Genre, il la prend par le bras et au début, nous, on comprend pas, surtout qu'elle crie et tout. Genre, elle crie direct, mais on comprend pas pourquoi elle crie, genre, il la prend par le bras, on comprend rien de la soirée, tu vois. Et à un moment donné, il dit, ouais, elle t'a volé, elle t'a volé. Et elle crie, mais il dit, ferme ta gueule et tout. Elle prend une bouteille de champagne, elle veut le taper avec la bouteille de champagne. Il prend la bouteille de champagne, il la met par terre. Il la met par terre et que vous voyez en train de, Hicham en train de lui prendre le visage comme ça et que Ahmed, il dit, ouais, crache-lui à la gueule. Il dit recrache-lui à la gueule. Récoute bien la vidéo, il dit recrache-lui à la gueule. C'est parce qu'en fait, elle lui a craché un molar à la gueule. Elle peut avoir des bleus sur les bras parce qu'il l'a tiré assez fort. Je peux vous dire, parce que j'étais là, il n'y a eu aucun coup de poing dans son visage, il n'y a eu aucune claque dans son visage. Je sais qu'il tapait sur la table, il tapait contre la porte. Je sais même qu'il s'était, je crois qu'il s'était cassé un os, il m'avait envoyé une photo, parce qu'il avait tapé contre la porte. Et en fait, ce qui me fait drôlement rire, c'est qu'à aucun moment, elle a quitté l'appart, à aucun moment, elle a porté plainte. Il y a en fait cette histoire, la fille elle-même, elle n'a rien fait. Elle a ni porté plainte, ni elle s'est barrée de l'appart. Et même après cette histoire, ils ont discuté ensemble, genre c'est des potes. Je veux qu'ils passent sur la chemise. Bah, niquez, t'as raison. Non, moi, je suis pas comme ça, les gars. Et même à un moment donné, on va voir Hicham. Je vous promets que c'est vrai, je vais voir Hicham. Je dis, ouais, frère, quand même, abuse pas. Et il dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est-à-dire que le mec, il est encore lucide. Il me dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. Il se dit, t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Je cautionne pas, ça a été fait salement et tout. C'est triste à voir et tout. Je cautionne pas, mais il est sorti de ses gonds. Et moi, je sais pourquoi. Du coup, si les mamans, si la sœur et tout ça, elles ont vu cette vidéo, je suis totalement désolé. Je suis vraiment désolé pour vous, pour votre famille, pour votre sœur et tout. Mais encore une fois, j'étais là à la soirée et votre sœur, elle a un petit peu abusé. Alors, quand il dit c'était en 2020 et on est en 2022 et je m'en contrefous carrément car je suis en 2022, le rapport. Zéro. Je vais pas ramener le sujet ici, c'est de l'histoire ancienne, on s'en tape, on est passé à autre chose, c'est de la manipulation. Ils s'en bat les... En fait, si aujourd'hui tu frappes quelqu'un, bah demain c'est passé. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il prend ça à la légère, ils sont fous, même quand il dit je lui ai craché un molar. Enfin, il lui a craché un molar, et on dirait un abruti oui, complètement. Il laisse juste sous-entendre que c'était il y a un an et, c'est pas grave. Et que lui il est passé à autre chose, c'est voilà, ça, qu'il merci, est en 2022 et que c'est du passé. Non. Quand il fait la comparaison avec Chris Brown et que Dylan dit vous écoutez les musiques de Chris Brown, pourtant il frappait Rihanna, en gros, je paraphrase. Ouais. Mais c'est entendable ça? C'est quoi cette comparaison? Bah, Chris Brown, il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Voilà. Alors, par contre, moi, la comparaison, je valide complètement. Ah bon? Bah, bien évidemment. Donc, tu justifies, tu dédramatises. Ce qu'il veut dire par là, c'est que Chris Brown aurait. Non, c'est pas aurait. Il a été jugé, donc il a frappé Rihanna. Il a reconnu lui-même avoir frappé Rihanna. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore des fans de Chris Brown, qu'il a encore son public, qui fait encore des concerts et qu'il a encore une vie. C'est ça, en fait, qu'il laisse sous-entendre. Oui, mais il a payé sa dette, Chris Brown. Il a fait de la prison et aujourd'hui il recommence pas. Non mais oui, d'accord. Mais le fait de justifier, de prendre ça en argument pour justifier cette vidéo, moi ça me choque. Oui, moi aussi ça me choque. Il n'y a pas utilisé cet argument-là pour se dédouaner. C'est encore de la manipulation de Dylan. C'est exactement ça. L'habitude. On l'avait même vu dans Les Princes et les Princesses de l'amour hors caméra, c'est une autre personne. Donc là, il essaye de diffuser une image de lui qui défend son ami, ce qui est normal, parce qu'il ne va pas encore plus l'enfoncer. Mais c'est de la manipulation à l'extrême pour les abonnés et les internautes. Et il est très fort pour ça, Dylan, en plus. Et ben, je vous propose de passer tout de suite à la vidéo de Ahmed. Découvrons ce qu'il a dit. Il faut savoir pourquoi cette fille-là, elle est par terre. Il faut comprendre, il faut avoir les tenants et les aboutissants du pourquoi. Et du comment. C'est trop facile de mettre une vidéo de 46 secondes de toute une soirée qui s'est passée il y a un an. À un moment donné, on entend une fille qui est en train de crier, qui est en train de gueuler. Et c'est là où je vais vous dire la vérité. On voit Hicham tirer cette fille-là par le bras. Cette fille nous a volé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans le placard à Dylan. Elle est partie lui voler pratiquement tous ses bijoux. Elle pète un plomb, elle devient incontrôlable. Même ses propres copines qui étaient là n'arrivent plus à la gérer. Et c'est de là qu'on filme. Ouais, du style, ouais, t'es une voleuse, on t'a eu, on t'a attrapé. Elle commence à insulter tout le monde, cracher sur tout le monde. Et c'est de là où je vous dis, et j'en suis pas fier, mes propos, ils sont dégueulasses. Mais ce que je dis, c'est dégueulasse, c'est pas beau à voir. Mais faut avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Et je vous le répète encore une fois, je ne cautionne pas. Voilà, je ne cautionne pas et j'en suis sincèrement désolé. Il l'a pris, certes, il l'a tiré fort, c'est vrai. Il l'a tiré fort juste pour la sortir de l'appartement, simplement. Mais là, on vous montre une vidéo de 47 secondes où c'est le bordel. Quand tout ça s'est terminé,
tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde rigole, et voilà. Et la fille, elle est dans le balcon, elle est tranquille. Alors si déjà la victime, elle était dans le placard en train de voler, la seule personne, enfin une des principales personnes qui rigole, c'est Dylan. Donc déjà, c'est chez lui, on le vole chez lui, et lui, il fait des stories, il est mort de rire. Oui, il crache, Dylan, c'est tout. Il fait que cracher, ça a la mal. Est-ce que c'est une réaction qui est adaptée face à la situation? Moi, ça me choque d'entendre ça. Ouais, moi, ça me choque aussi. Est-ce que vous pensez que la vidéo, elle peut être mal interprétée? Est-ce qu'on a besoin? C'est l'expression qui revient beaucoup dans les stories des protagonistes. Les tenants et les aboutissants. Mais c'est-à-dire que même si elle a volé, on ne se met pas à quatre hommes sur une femme. C'est ça. Même si elle ils ne sont pas mis à quatre hommes, par contre. Non, bah, mais même deux, il y a quatre personnes en train de filmer, il y a quand même du monde dans cette pièce. On ne se met pas sur une seule jeune fille qui, on ne sait pas, peut-être est droguée, bourrée, dans un état qui n'est pas sobre. On ne se met pas comme ça sur une fille. Après, j'ai déjà vu des filles hystériques, mais hystériques à ne pas pouvoir les contrôler parce qu'elles étaient sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Elles sont capables de prendre un couteau et planter une personne. Donc, en l'occurrence ici, attention, je ne dis pas du tout que je suis d'accord. Hein, c'est très violent, cette vidéo est très violente, mais... Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là, pour qu'Hicham, qui ne boit pas, et qui ne, enfin, c'est ce qu'il a dit, hein, qui ne buvait pas, qui ne prenait pas de drogue, soit dans un état aussi nerveux. C'est bien passé quelque chose, c'est pas gratuit quand même. Mais voilà. C'est ce qu'on attend d'eux, en fait. Si c'est pour publier une vidéo et ne pas donner les vrais tenants et les aboutissants, je vois pas l'intérêt. Bah, ils les ont expliqué, les tenants et les aboutissants. Ouais, c'est le vol, c'est ensuite le manque de respect, les insultes, la bouteille cassée et elle a menacé Hicham avec cette bouteille-là. Pour eux, je dis bien pour eux, je pense, c'est ça, les tenants et les aboutissants. Ah d'accord, donc ce serait ça, les tenants et les aboutissants, qui justifieraient ce qu'on voit dans ces 46 secondes de vidéo. Et puis même dans les 46 secondes. C'est ça alors. Non mais même, même Dylan, il parle H24 d'islam, là dans la même vidéo, il parle de champagne. On le voit, on entend dire, Ahmed qui dit, regarde comment tu l'as craché dessus. Un autre truc dingue aussi, c'est que c'est toutes ces personnes-là ensemble au même endroit. Ça m'étonne même pas en vrai, enfin... Pour plein de gens, c'est logique. On va passer tout de suite aux explications de Marvin Tillière. Ce qui me fait plaisir dans l'histoire, c'est qu'il y a pas mal de carrières qui vont être éteintes. Dans la vidéo, vous avez oublié, c'est que les musulmans 2.0, il n'y avait pas que nous. Hein. Il y avait aussi Marc Blatta et Amir qui se cachaient derrière la porte. On n'était pas tout seul. J'ai dit, je vais ouvrir la porte, bande de fils. Moi, la vidéo, je savais qu'elle allait sortir depuis un bail. C'est pas pour autant que je claquais des fesses parce que tout le monde me connaît, la réputation elle est déjà faite. Ça fait quand même déjà plusieurs années que pour vous, je suis un mec qui tape les femmes, etc. etc. On connaît la musique. Donc, moi, en voyant la vidéo, je m'en battais les couilles, je m'en frappais les couilles. Parce que moi, je suis pas un mytho. Je suis pas là à snapper mon tapis de prière, à dire et je fais des trucs humanitaires. Moi, t'as eu la vidéo, elle sort. Demain, je vais me réveiller de la même manière. Et t'as eu, demain, je vais vivre ma vie de la même manière que tous les jours, contrairement à toutes les personnes qui étaient présentes sur la vidéo. C'est ça, en fait, qu'il faut dans vos petites têtes de oisillons de l'espace. Mais bon, bref, comme je vous l'ai dit, les portes, je suis en train de les ouvrir parce que vous pensez que là, il y a une vidéo qui est sortie, ça fait le buzz, etc. C'est beaucoup plus profond. Il faut rentrer bien à l'intérieur. Et s'il y a des personnes qui ne veulent pas le rentrer à l'intérieur, des gros de force, je vais vous faire rentrer, soyez prêts. Donc maintenant, vu qu'apparemment, ça veut faire plonger certaines personnes, je me mets pas dedans, hein, je me mets pas dedans parce que moi, c'est... Vous pourrez pas m'avoir, en tout cas pas maintenant. En tout cas, les personnes qui veulent m'avoir, vous êtes à Dubaï. Pour m'avoir, faudra venir en France. Mais tu vas éteindre personne, la grosse chatte de femme. Tu vas éteindre personne. M'entends bien, Blatus? Tu as tant de personnes, fils de p***. T'as vu maintenant? Appelle les équipes, paye comme tu m'as dit hier au téléphone que t'avais de l'argent, t'avais de quoi te payer, t'avais quoi envoyer. Mais je suis un musulman, je suis de principe. Envoie, paye une équipe. J'avais oublié qu'on était en 2022 et que maintenant les gens, quand il leur arrive quelque chose, au lieu d'aller porter plainte, eh ben, ils préfèrent aller chez TPMP. Donc, c'est à se demander si c'est vraiment passé quelque chose. Je sais pas, maintenant, avant d'aller à la police, avant de parler à un juge d'instruction, on va parler à Cyril Hanouna. Donc en fait, c'est l'opinion publique qui prime avant la justice. C'est comme ça maintenant, c'est grave. Qu'est-ce qu'il insinue, Marvin, quand il dit c'est beaucoup plus profond? Est-ce qu'il y a des choses plus graves qui se seraient passées dont on n'aurait pas connaissance? Moi, je pense qu'il sait des choses, et il a vu des choses parce qu'il y était, qu'il va peut-être dire et qu'il sait, c'est sûr, parce que, encore, on m'a dit aussi, enfin voilà, comme quoi il y a d'autres vidéos qui vont arriver, donc lui il est au courant de tout ça, il y était à cette soirée. Anna, je te vois réagir. Moi, comme je disais tout à l'heure, si on se base seulement sur il y a eu des vols, il y a eu un cassage de bouteilles, on ne peut pas accepter cette vidéo. Mmh. Il y a forcément quelque chose de plus profond. Maintenant, comme j'ai dit, on aimerait vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a de plus profond au point de s'être mis dans des états comme ça. Ah non, moi je pense que quand il dit, quand il dit plus profond, il parle au niveau de la violence, de ce qui s'est passé vraiment, ça a été plus loin encore. Parce qu'il Va peut-être casser des portes pour casser des carrières.
en disant voilà, toujours. Si je balance que Marc il a fait ça, j'ai une vidéo, Marc t'es mort. Si je balance Hichem vraiment où t'as été, t'es mort. Parce que Nadé elle a dit par contre que les choses soient bien claires, mon mari n'était pas présent cette soirée, merci bien. Mais de toute façon, il le dit bien lui-même qu'il est sans scrupules, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Donc ce ne serait pas étonnant qu'il y ait eu des choses plus profondes, plus dramatiques, en fin de compte, dans cette soirée-là. Cette matinée. D'ailleurs, il y a deux rumeurs qui circulent actuellement pour savoir comment cette vidéo a fuité, qui a fait fuiter cette vidéo. La première rumeur viendrait justement de Marvin, que ce serait lui qui serait à l'origine de cette fuite, puisqu'il est... Il est plus trop en contact avec tous ces gens, comme on le voit. Il est totalement en roue libre. La deuxième rumeur, ça concernait Ahmed Taï. Ahmed Taï, parce que vous le savez, il est très proche de la GLC Family, puisqu'il était censé faire, parce qu'à mon avis, ça ne se fera plus, la GLC contre la Gage Family. Et ce qui se dit, c'est toujours des suppositions, qu'en fait, la GLC Family lui aurait demandé, en fait, d'avoir quelque chose contre Hicham. Mais alors, ça, je pense aussi que ça fait partie, peut-être, vu que c'est à l'état de rumeur, des interprétations des internautes sur les réseaux sociaux. Moi, je te parle de ce qu'on m'a dit. Qui cherche. Ah, on t'a dit ou tu l'as lu? Non, on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a donné ces deux suppositions-là. On ne sait pas. Les personnes concernées ne savent pas comment cette vidéo a fuité. Et pour eux, c'est ces deux rumeurs-là. Et comme je le disais, Ahmed, pour lui, en fait, il n'était pas concerné par la vidéo. Alors qu'en fait, indirectement si, et je pense que ça peut compromettre justement sa donc, participation. Deux suppositions qui ne sont donc pas factuelles, c'est important de tout. Le dire. Exactement. En parlant de la GLC Family, c'est Emine qui s'est exprimé. On regarde. Vous n'avez pas aimé que je parle de l'autre fatigué là, qui lui parle sur ses réseaux et en plus il s'affiche à la télé. Donc ceux qui ont signalé là, vous laissez sous-entendre que vous cautionnez ses actes. Et allez regarder son extrait sur TPMP. Si dans son visage, ça se voit pas qu'il est faux. Si dans son visage, ça se voit pas qu'il ment. Mais c'est un truc de fou. Est-ce qu'il va encore s'en sortir comme il s'en est sorti la première fois avec l'histoire de la GLC? Est-ce qu'il va encore s'en sortir maintenant? C'est sûr, si on laisse faire, si on parle pas, bien sûr, il va s'en sortir et il va refaire. Ouais, je vous disais, il va recommencer. Mais cette fois-ci, là, moi, cette jeune femme, je la connais pas. Mais ça m'a touché pour elle. Mais si, admettons, il recommence avec une personne que je connais ou que vous connaissez, soit votre soeur, votre cousine, votre nièce. Lui, il s'en fout. Hein. Il s'attaque vraiment à tout le monde. En connaissant le personnage, en ayant eu des problèmes avec lui, pourtant, moi, vous me connaissez, je parle vraiment jamais. Mais là, parce que c'est un vrai psychopathe. C'est un vrai, vrai, vrai psychopathe qu'on laisse sur les réseaux et qu'en plus, on invite pour qu'il raconte sa merde à la télé. Tous les jours que je fasse, dès que je vais voir qu'il fait une story, qui parle ou qui raconte sa merde, eh ben je vais la faire derrière. Il y a eu aussi une réponse de Hicham à ses stories et notamment aussi de Noémie, la sœur de Sissika. Mimine, qu'est-ce que tu fais avec tes stories? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Mimine, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça va être la première et dernière fois que je te réponds. Après, tu pourras faire toutes les stories de la Terre, tu pourras insulter toute ma génération, il n'y a pas de problème. Moi, je sais, tu lui racontes tes salades, il n'y a pas de problème. Moi, je sais et tu sais. T'inquiète pas, je sais qui t'es, moi. Et déjà, comment tu trouves le temps pour faire des stories? Je sais pas, normalement, t'es pas en train de garer les voitures, de faire les valises, de laver les slips de tes maîtres, de promener le chien, enfin, de vous promener ensemble parce que c'est... Nono, ma belle, qu'est-ce que tu me fais? Tu veux quoi? Tu veux qu'on sorte ton... Hein? Tu veux qu'on parle de farine? Tu veux qu'on parle d'ingrédients? Tu veux qu'on parle de... Hein? Tu veux qu'on parle de pourquoi t'as été au Carplan? Pourquoi t'as été emprisonné? Tu veux que je sorte tous les détails? Et c'est pas la peine d'appeler F. Hein? T'inquiète pas, il est mis au parfum. Mais toi, alors là, t'as même pas commencé la télé que si je veux, là tout de suite, j'entends à l'oreillette qu'il y a quelqu'un qui est dans une sauce, une vraie sauce, et qui essaie de faire diversion en parlant de moi. Ma belle! En plus, pour le coup, tu le dis archi bien. Je comprends qu'il réponde Hicham, c'est normal. Emine a parlé de lui. Il répond sur les réseaux sociaux. Par contre, je suis désolé, j'en ai rien à foutre si je fous tout le monde avec ça. Mais le Mimine, pourquoi? Non mais ça, moi, ça me fait pas rire. Hein. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est pour affaiblir une personne qui l'estimerait être homosexuelle et féminée? Peu importe, quel est le but? Je ne peux plus voir ça! Je peux plus! Ça me saoule, je ne peux plus voir ça!
J'ai le droit ? Bah oui, t'as le droit. Voilà. Vous ne me pas dire qu'il n'a pas le droit, parce que là, il me frappe. Là, c'est de la maltraitance. Moi, j'ai pas besoin de tes muscles. Hein. Je t'en donne le droit. Tu verras. Ah ouais. Je suis pas violent. Wesh, gros. Des fois, il m'appelle, il dit wesh, cousine. Ouais, ouais. Wesh, cousine, ça va ? Bref, non mais là, ça va loin quand même. En plus, ce qui fait mal au cœur, c'est qu'ils étaient tous avant une famille, vous rendez compte. Ouais, mais c'est fake, ces amitiés fake, horrible, tout ça. Ah. Non, mais même dans les vraies familles, ça ne se passe pas. Il vit pas encore avec l'argent qu'il a escroqué. Enfin, escroqué. Bah, Emine, c'est ce qu'il dit en plus. Il a fait un post où il laisse sous-entendre que, en ce moment, Hicham vivrait avec l'argent de Jazz. Donc, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que là, on l'entend beaucoup, Emine. Moi, j'aurais bien aimé l'entendre quand il y avait eu cette affaire, justement, il y a quelques mois. Il était moins virulent, il dialoguait moins. C'est dommage. Je vous propose maintenant d'écouter un vocal de la jeune femme mise en cause dans cette vidéo, enfin mise en cause, qui semble être victime, clairement, dans cette vidéo, en tout cas par rapport à ce qu'on voit. Elle s'est entretenue avec Maya Nia. C'est ça. Et j'ai pris la décision de masquer sa voix, de transformer sa voix. Mais la vidéo, c'est juste le début. Après, il m'a rentré à l'intérieur de la salle. Parce que tu vois, il y a une salle derrière. Il m'a rentré à l'intérieur et il y avait le... Parce que moi, je ne les connaissais pas à la base, ces gars. Et comment il s'appelle ? Renoir, je ne sais plus comment il s'appelle. Il l'attendait devant la porte pour que personne ne voit, personne ne filme, tu vois. Et il est rentré. Et c'est là où il a bien commencé à me frapper. Il a commencé à me donner des grosses baffes, des gros coups. Sur le bras, partout, sur la tête. Je suis partie au consulat, ils m'ont grave démotivée. Ils m'ont dit, tu vas grave casquer de l'argent pour cette affaire. Ils m'ont grave démotivée, comme si, je sais pas, comme s'ils étaient avec eux ou je sais pas. Et j'ai la preuve, comme quoi je suis partie là-bas et tout. Donc je pense que je vais aller porter plainte maintenant qu'il y a des vidéos. Parce qu'ils m'ont dit, t'as pas de preuve et tout, à part les bleus que j'avais sur le corps. Rien à voir avec voler ou quoi que ce soit, j'ai jamais volé de ma vie, moi je te dis. Ce qui s'est passé, c'est que lui et... Je sais plus comment il s'appelle l'autre, là, le soi-disant boxeur. Il voulait me rentrer dans un dressing, s'il te plaît. Et je sais pas, il voulait faire des trucs et moi je leur ai dit non, je veux pas. Je voulais pas faire des trucs avec eux. Et ils se sont dit, vas-y, elle a bu et tout, on va se foutre de sa gueule et tout. Et moi, je voulais rien faire avec eux. Après, c'est monté dans les tons et après, il m'a poussé par terre. Il m'a craché dessus. Et après, lui, il a continué. C'est pour ça que j'étais assise en train de pleurer, si tu vois. Je sais pas, il vient de mettre une vidéo. Ils me foutent la honte. Une réaction peut-être aux explications de la jeune femme auprès de Maya Nia. Oui, alors déjà, bon... Cette jeune fille, quand elle s'exprime, il faut aussi essayer de savoir si c'est vraiment cette jeune fille. Déjà, on n'en est pas sûr, on ne connaît pas son identité, donc faut juste faire attention à ça. Il y a un petit truc qui me chagrine, qui me dérange, c'est quand elle dit « je suis allée au consulat », je crois qu'elle dit. Oui. Elle est partie à l'ambassade et que là-bas, ils n'ont pas voulu prendre sa plainte parce qu'elle n'avait pas de preuves. Et elle explique ensuite qu'elle avait des bleus sur les bras. Est-ce que des bleus, ça constitue une preuve ? Ça, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas le consulat et parce qu'on a eu aussi beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui ont parlé sur les réseaux sociaux, hormis cette histoire, et qui disent que quand elles se sont rendues à la police, elles n'ont pas été accompagnées, qu'elles ne se sont pas senties accompagnées. Donc, des histoires comme ça de jeunes femmes qui ne se sentent pas entendues face à des situations comme celle-là, il y en a eu. Oui, parce qu'après, ce que je ne comprends pas, c'est que comme on est à Dubaï, et on sait que Dubaï, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les femmes... Non, mais voilà, tout ce qui va être violence, dès qu'on touche une femme, etc., ils le prennent... Non, mais c'est vrai, ils le prennent vraiment en considération. Pourquoi tu dis oui ? Une jeune femme qui se présenterait avec des bleus sur les bras, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse la laisser repartir comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une autre vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, où, après cette altercation, la jeune fille se retrouve sur le balcon. Elle se retrouve sur le balcon, donc c'est plusieurs heures après. Et donc, on peut se demander aussi, mais si c'est passé autant de violence, pourquoi continuer la soirée jusqu'à 11h du matin ? Parce qu'un des protagonistes m'a dit que la soirée s'était finie à 11h du matin. Donc, pourquoi rester... voilà, il y a des petites zones d'ombre comme ça qu'il faut quand même souligner. Parce que voilà, c'est les zones d'ombre dans lesquelles je parle. Un mot rapide ? Ou on passe à Maître Novakovic qui représente la peignance ? On a beaucoup de mots rapides avec Maître Novakovic. Pour terminer quand même si peut-être qu'il y a plein de zones d'ombre, ça n'excuse pas la vidéo qu'on a. Absolument pas. On écoute Maître Novakovic, donc qui représente...
la plaignante, elle était sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et voilà ce qu'elle révélait. Il manque comme il respire. Bien évidemment, on le sait très bien, rien que la vidéo où l'un dit « Tiens, moi je vais cracher sur elle comme tu viens de cracher sur elle », déjà, ça parle. En fait, cette vidéo parle d'elle-même. Je crois qu'à la limite, on n'a rien à démontrer. Je montre ça à un juge, voilà, tout est dit. Et j'ai un scoop à vous donner quand même, que j'aurais bien aimé vous dire à ce monsieur. Mais je ne vous dirai pas le nom. Il y a une autre malheureusement victime. Qui a été victime des mêmes faits avec le même mode opératoire. Alors elle parle de mode opératoire. Elle dit, je vais vous dire en exclusivité, il y a une autre victime qui a été victime des mêmes faits, avec le même mode opératoire. Qu'est-ce que nous on a contacté le cabinet de Maître Novakovic, hier parce qu'on prépare l'émission la veille pour le lendemain. On n'a pas pu encore l'avoir en plateau. Peut-être qu'on l'aura plus tard, j'espère, pour qu'elle puisse nous éclaircir là-dessus. Mais qu'est-ce que vous entendez par mode opératoire? Toi, Gauthier, tu me disais c'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre d'histoire. Ouais, bah moi, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est pas la première fois où la team GTA, parce que c'est ce qui leur nom, c'est la team GTA. Ils ont je sais pas. Ouais, bah, même tout à l'heure, il l'a dit, je crois, dans la story, la team GTA. Ils faisaient ça à Cannes. On m'a dit qu'ils faisaient ça à Cannes, qu'ils faisaient ça à Dubaï. Et moi, je pense que quand elle parle de mode opératoire, c'est d'inviter des filles à des soirées, qui forcément, la fille, elle va venir avec des copines, c'est normal, elles vont pas venir toutes seules. Et puis bah, il se passe ça, et puis voilà, tout simplement. Et c'est monnaie courante, ça arrive régulièrement. Pas que dans le monde de la télé-réalité, je répète. Elle a dit les mêmes faits, le même mode opératoire, elle n'a pas parlé des mêmes personnes. Elle n'a pas précisé si c'était les mêmes personnes également. Bah, je pense que. Non, mais je pense qu'elle parle de ça, parce que vu qu'elle parle d'Hichem, là, entre guillemets, pour ça qu'elle dit j'aurais bien aimé que ce garçon soit là, parce qu'Hichem n'a pas osé l'affronter en direct. D'ailleurs, il a préféré partir, enfin, ne pas être là au moment où elle était là. Bah, donc ça, c'est bizarre aussi. Bah, non, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça bizarre, dans le sens où, vu que c'est une avocate et c'est pas la victime en face de lui, bon, après, c'est compliqué de ramener la victime, voilà. Bah, il aurait préféré que ce soit son avocat à Hichem qui soit contre une avocate. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, ça. Après, c'est un. T'as trop poché, mais tu sais que face à une avocate, c'est compliqué. Ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Moi, j'ai eu un écho aussi, quelqu'un qui connaissait une des journalistes sur le plateau là-bas, comme quoi cette avocate, à la base, c'était quelqu'un d'autre. C'était une autre avocate qui était sur le plateau, et que 2 heures avant, bah, ils ont mis cette avocate. Ils ont mis cette Pourquoi avocate. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle est déjà médiatiquement connue. Enfin, ils auraient, hein, parce que moi, si tu me ramènes pas C'est comme quand elle dit que la victime a envoyé un SMS à Hicham pour le menacer qu'elle va aller tout de suite à la police, sauf que Hicham nous dit bien qu'il a jamais eu le numéro de cette jeune fille, qu'il ne la connaît pas. Donc, tu vois, il y a quand même des zones d'ombre ici. Bon, après, moi, ça m'arrive de recevoir des SMS, ils finissent dans mes indésirables, hein, parce qu'avec l'iPhone, notamment, ils sont classés automatiquement. Donc, les numéros que j'ai pas dans mes contacts, je les vois pas. Et elle dit aussi, cette avocate sur le plateau, que la jeune femme aurait tenté de se suicider. Alors que c'est ce qu'elle a dit. Voilà. On sait pas, par contre, si c'était après cette vidéo, après cette soirée, ou si c'était à la sortie sur les réseaux sociaux cette vidéo. Il y a aussi ça qu'il faudrait savoir. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on a analysé une vidéo qui était face à nous sur les réseaux sociaux. On réagit, comme tout un chacun, face à cette vidéo. En effet, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. On réagit par rapport à ce qu'on voit. Moi, ma conclusion par rapport à ce dossier, ça va être, mais merde, ça fait des mois, entre histoire d'accusation sexuelle, histoire de violence conjugale, histoire de violence sur des candidates, agression filmée avec des vidéos qui tournent comme ça, il faut quoi? Qu'est-ce que les acteurs puissants de ce milieu attendent? Un mort. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est très grave. Le business, l'argent, les placements de produits, c'est plus important. J'ouvre les yeux que quand ça m'intéresse, que quand j'en ai besoin, que quand l'opinion publique, ça va dans le vent. Je reconnais ce que tu dis. Tu sais que moi, quand j'ai balancé Guirado comme quoi il frappait ma sœur et que je l'ai poussé, parce que c'est moi qui appelais Sephora à l'époque pour dire, tu dis à Julien qui balance, qui dit que c'est vrai, sinon je balance des photos de ma sœur, je me suis tiré des balles dans le pied avec plein de producteurs. Parce que j'ai balancé une grosse tête. Mais bien sûr, mais toi, moi, tu crois quoi? Quand j'ai fait mon interview en 2019 avec Natania, tu crois qu'ils ont fait quoi? Mais voilà. On m'a tout de suite boycotté. Tout de suite. Les candidats me disaient, j'ai interdiction de venir chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas, moi aussi, voulu faire taire quelqu'un. C'est ça. Mais j'avais pas envie de me rendre coupable de ça. Mais en plus, ceux qui prennent aujourd'hui leurs réseaux sociaux pour dénoncer cette vidéo, pour dénoncer leurs actions, il me faut aussi doucement rire, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Ils n'ont jamais pris leurs réseaux sociaux pour en parler, parce que peut-être que ça ne concernait pas, je parle des agents ou des agences, parce que ça ne concernait pas l'un de leurs influenceurs, on n'a rien dit. Et ce qui me dérange aussi dans toute cette histoire, c'est cette histoire d'extorsion de fonds. Pardon, mais si les protagonistes en question avaient payé ce blogueur,
cette histoire ne serait jamais sortie. Donc, c'est-à-dire combien d'histoires sont passées sous la table. C'est parce qu'avec des mallettes remplies de billets aussi. Et comme je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, je pense qu'on n'est pas à l'abri là. Il va y avoir d'autres histoires encore plus sordides. Je vais vous dire un gros truc. Je crois que c'était il y a 2 ans, on m'a clairement dit, écoute, si on ne travaille plus, si on ne collabore plus avec toi, c'est parce que tu as parlé au directeur ou à la directrice de la communication, tu lui as clairement dit qu'il y avait un des producteurs ou productrices, féminin ou masculin, hein, volontairement je le dis, qui avait des relations avec des candidats de télé-réalité. Moi, j'ai eu des témoignages de plusieurs qui ont très mal vécu certaines expériences, à qui ont laissé sous-entendre, s'il se passe des choses, je te mettrai dans la saison. À partir du moment où j'en ai parlé aux dirigeants, hein, on va dire, d'ailleurs il y en a plusieurs acteurs dans ce milieu-là qui étaient au courant depuis longtemps de ça quand j'ai dit, on a coupé tous les candidats. Il y a une omerta de fou. Et franchement, c'est quoi cet exemple pour la jeunesse qui va arriver? Vous vous rendez compte? Parce que des fois, les parents peuvent rien faire. Là, on est en train de montrer des choses. La violence, la drogue, la prostitution. Ça existe depuis des années. Malheureusement, c'est absolument pas nouveau que dans ces milieux-là, il y a la drogue, l'argent qui prône le sexe. D'accord, mais là, tu te rends bien compte quand même que c'est plus qu'avant. Avant, on n'avait pas Internet. Ouais, c'est pas plus qu'avant. Je pense que c'est pareil, mais maintenant, c'est dévoilé. Parce que ça existe depuis toujours. C'est ça. Maintenant qu'il y a Internet, c'est face à la vue de tout le monde que ça va être le petit de 7 ans, la petite de 13 ans. Mais dites-vous une chose, et le message, il est important, d'accord? Les grands décisionnaires de ce milieu sont au courant. Ah oui, bien sûr. Ils sont au courant. Comme ils étaient au courant pour Guirado, comme ils étaient au courant pour Ricardo, comme ils étaient au courant pour Antonin. Mais ils ne veulent pas se faire cramer dans ce milieu. Ils ne veulent pas perdre des clients, ils ne veulent pas perdre d'argent. C'est leur image qui compte avant tout. Ils le savent très bien. Et là, je vais dire, j'en appelle aux directeurs de chaîne. Parce qu'il y a, vous savez, les big boss à la tête des chaînes, donc des diffuseurs qui achètent les programmes aux boîtes de production. J'en appelle à eux, là, clairement, solennellement. Faites attention, mettez plus votre nez dedans, parlez, arrêtez de participer à ce genre de dégueulasserie qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Exactement. On passe à la question qui tue. Sans transition aucune. Bon, Gauthier, est-ce que tu es prêt à passer sur notre grille? Et là, il y en aura 4. Sans transition. Des questions qui tuent. Je suis prêt. Allez, c'est parti, c'est ta question qui tue, c'est notre barbecue, Gauthier. Gauthier. Oui, bonjour. Donc, tu ne connais pas les questions qui tuent, on est d'accord? Non, pas du tout, alors là. Lors de la diffusion par le blogueur Aquababe d'une liste présumée de femmes ayant eu recours à des pratiques en lien avec des excréments, les noms de tes sœurs, Océane et Marine, ont été associés. Ouais. Suite à ça, tu as dit. Un de plus sur qui notre famille va porter plainte. Ouais. Ma première question, c'est comment avez-vous géré toute cette histoire en famille, avec tes sœurs? Est-ce que vous avez déposé plainte? Si oui, pour quel motif et contre qui? Alors au début, on prenait ça à la rigolade parce que c'est tellement gros, c'est pas possible. Les gens, ils vont pas y croire, c'est impossible. Mais en fait, si, les gens y ont cru. Du coup, au début, on dit bon, on laisse couler, on attend comment ça se passe. Et ça a pris une ampleur folle qu'il fallait qu'on réagisse. Mes sœurs ne voulaient pas réagir parce qu'elles voulaient pas se mettre en disant voilà, on n'a pas justifié, on n'a rien fait, c'est n'importe quoi, c'est un délire. Moi, je dis ouais, mais le problème, c'est qu'il faut quand même parler. J'avais eu des échos comme quoi ils allaient en parler à Touche pas mon poste le soir même. Et je dis maintenant, il faut en parler parce que même si vous dites rien, quand on marque Elimer sur Google, il y a cette histoire qui sort. Donc au bout d'un moment. C'est même important de rappeler qu'en fait, c'est leurs photos de leur compte Instagram qui ont été prises par un blogueur étranger. C'est ça, en fait, c'est un youtubeur allemand de cette histoire. Le youtubeur allemand a mis les photos de mes sœurs pour, on va dire, illustrer qu'il y avait un beau paysage de Dubaï avec deux jolies filles. Donc il dit allez, c'est Dubaï. Sauf que. Peut-être qu'ils ne savaient pas que mes sœurs étaient connues, mais du coup, tout le monde a associé ses paroles à l'image, ce qu'on aurait tous fait, carrément. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, je dis, mais c'est débile. Et le youtubeur, carrément, après, était en contact avec mes sœurs et a mis au commentaire de cette vidéo, les filles dans l'illustration n'y sont concrètement pour rien. Mais c'est un commentaire avec une vidéo qui a dû plein de vues, donc concrètement, c'est n'importe quoi. Et Aquabay, pourquoi j'ai parlé de lui aussi? Parce que c'est lui qui a diffusé cette liste. On sait qu'il a beaucoup de visibilité, en tout cas en France ou dans les pays francophones. Et c'est mettre en lumière encore des mensonges, comme il le fait tout le temps, de toute façon, parce que c'est sa marque de fabrique, bref. Mais oui, on dépose plainte, en fait, pour en gros diffamation, parce que ça met en jeu mes sœurs, mais aussi notre famille. Parce que notre nom de famille, c'est Elimer, et généralement, c'est les sœurs Elimer, le frère Elimer, la famille Elimer, donc Elimer qui est notre famille. Le langage Elimer. C'est ça, ouais, par exemple. Comment tu l'as vécu, non, mais sincèrement, sincèrement, non. Comment toi, tu l'as traversé, comment tes sœurs, elles l'ont traversé, comment tu les as aidées? Alors, moi, après, je suis très second degré, je prends beaucoup les choses avec le recul, c'est pour ça que même si on sous ma gueule, je rigole et j'ai du répondant, ça ne me dérange pas. Mes sœurs un peu moins parce que
Mais sûr, il faut savoir que dès qu'elles doivent s'exprimer sur un truc qui est un peu grave, c'est moi qui le fais, comme par exemple avec Julien, voilà, pas mal de choses. Donc au début, je l'ai vécu, comme je te disais, on rigolait parce que ça me paraissait tellement gros. Et après, on l'a un peu mal vécu parce que ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit « Écoute, Gauthier, c'est compliqué, qu'il se passe en ce moment, etc. » Je dis « Je comprends, mais Marine Hossain, elle ne veut pas que je m'exprime à leur place. » À la base, je devais venir ici avec elle et tout, elles n'ont pas voulu, sans parler du groupe qui les bloque, voilà, bref. Mais voilà, au début, on l'a vécu en rigolant, finalement, on l'a mal vécu. Et actuellement, voilà, c'est comme tout, toutes les histoires. Après, il y a tout qui se tasse. Mais malheureusement, quand tu marques Elimer, il y a encore cette photo et ces histoires qui sortent. Maintenant, ça va passer. Les gens elles ont compris. Elles vont beaucoup mieux parce que aussi les gens ont compris que c'était faux. Enfin, voilà, ils commencent à cerner mes sœurs comment elles sont. Et vu que le youtubeur a fait un petit démenti, c'est sûr que ça a aidé. Mais bon, le mal a été fait. C'est comme ça. Fait. Et même à touche par mon poste, elles n'ont pas voulu y aller. Ok. Merci voilà. Gauthier d'avoir répondu à ma question. Jinda, c'est à toi. Je te confie les bras musclés de Gauthier Elimer. Ouais, on connaît ta position, Gauthier, sur le retour ah à bon télévision. Oh non. Sur le retour. Ah, j'ai pas compris n'importe quoi. Il n'y a que moi pour comprendre ce genre oh, oui. De... Ah non, n'importe quoi. Donc je disais, ta position sur le retour de Julien Guirado, on la connaît. Cependant, qu'est-ce que tu penses du choix de Carla et Kevin de mettre en lumière dans leur propre télé-réalité La MIF, Julien Guirado? Bah, je trouve que c'est n'importe quoi. Après, enfin, c'est ridicule, c'est nul. Après, c'est eux, c'est les responsables. Hein. S'ils ont envie d'être associer leur image à un mec qui frappe les femmes et qui l'a assumé, donc là je peux le dire, hein, parce qu'il l'a assumé lui face caméra en disant qu'il l'a fait, bah, c'est leur problème. Après, je trouve ça nul, ils donnent de la lumière à un mec, mais je trouve ça nul, débile, et c'est juste donner de la force à un mec qui ne mériterait pas d'avoir de la force. À partir du moment où on a avoué, on a admis avoir levé la main sur quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, pour toi on doit être banni à jamais de la télévision? Bah alors, il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui changent. Sauf que lui, tous ces trucs de psychologue, c'est du fake. Ces machins, je vais me faire soigner, c'est du fake. Dans sa façon de parler, il l'a reconnu. Oui, il a dit oui, c'est vrai, j'ai fait ça à ta sœur. Mais d'un autre côté, il faisait des stories en disant votre famille, en nous insultant de tous les noms. Donc non, c'est... Tu crois pas du tout à sa rédemption? Oh non, mais pas du tout, pas du tout, mais pas du tout. Je sais pas si t'as vu son interview chez comment il s'appelle, Jordan Deluxe. Non, j'ai pas vu. Pareil, dans sa façon de parler, dans sa façon de dire les choses, ouais. Il se braque, il parle mal, il a pas changé, c'est toujours le même. Il est, psychologiquement, il est complètement instable, comme beaucoup de gens de la télé de sa génération, si j'ai envie de dire les choses concrètement. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci Gauthier, merci Jinda. Anna, c'est à toi, tu peux poser ta toute première question. C'est ta toute première fois aujourd'hui. Toute première fois. Oh, merci pour les cœurs, j'adore. J'en ai marre de nous. Alors, il y a quelques temps, tu t'es pris la tête avec Maïsan. Tout est parti après la diffusion du reportage de 7 à 8 sur les abus de la chirurgie esthétique chez les jeunes, dans lequel Maïsan témoignait. Tu as pris tes réseaux pour dire qu'elle était prête à tout pardon, pour faire de la télé. Et ça ne lui a pas plu. Je vous laisse regarder ce qu'elle a répondu. Ne dites pas qu'il a vraiment dit que j'étais prête à tout pour faire de la télé. Il n'a pas pu dire ça. C'est pas possible, je ne peux pas y croire, j'ai mal entendu. Le garçon appelle toutes les productions de toutes les chaînes, sans exception, pour faire de la télé. Il appelle jusqu'à Nabil pour faire son émission YouTube. Moi, je suis prête à tout pour faire de la télé. D'accord. C'est marrant parce que je me rappelle pas avoir eu besoin de me faire passer dessus pour faire de la télé, tu vois. Justement, étant donné que tu es en couple avec Anastasia depuis quelques années, ouais, j'imagine que c'est pas toi qui te fais passer dessus, quand même, pour faire de la télé. Si non, je suis là, c'est que ça. Voilà, j'imagine que c'est pas toi qui te fais passer dessus pour faire de la télé. Ah, moi, je suis maquée depuis 8 ans. Ça y est. Je suppose que Maïsan fait référence à tes sœurs, ouais, ouais, en sous-entendant qu'elle se ferait passer dessus pour la télé. Qu'est-ce que tu réponds? Ben, je réponds que c'est toujours pareil. Dès que j'ai un truc à dire sur tel candidat ou peu importe ce que j'ai à dire, c'est toujours mes sœurs qu'on attaque pour m'attaquer. C'est-à-dire que moi, mes sœurs, si elles en sont là aujourd'hui, c'est en aucun cas parce qu'elles se sont fait passer dessus, malgré ce qu'elles disent. Pareil, ça c'est encore de la diffamation, mais bon, enfin voilà, bref. Ou en tout cas, c'était le chirurgien. Ouais, le chirurgien. Oh, c'était une blague. Parce que depuis mon interview dans Les Princes 5, elles ont un peu changé. Ah, oh putain, je vais pas où là. Ouais, mais ça va encore, ça reste raisonnable. Ouais, ah bon? Ça va, c'est pas du gain. Et je me souviens, elle m'avait fait rire, pour le coup, elle m'avait fait beaucoup rire, Océane. Je me rendais à l'époque à une conférence de presse de sa première saison où elle était dans Les Marseillais. Ok. Océane. Je lui ai dit, bah dis donc, ça fait plaisir de te voir depuis Les Princes. Que, enfin, il a fallu attendre quand même un moment avant de voir ton retour en télé. Elle m'a dit, bah tu m'étonnes, t'as vu tout ce que j'ai dû faire pour revenir? Bah voilà, elle assume. Tu vois? Non, mais après, ça m'avait fait rire. Mais elles ont pas. Je suis désolée. Non, mais t'inquiète, moi. Je sais que tu réponds, mais elles n'auraient pas fait une abdominal etching? C'est quoi?
Explique-moi quand même. Abdominal, c'est pour enlever la... les abdos. Enlever la graisse de leur ventre. Alors non, moi, je sais ce qu'elles ont fait. Enfin, je sais ce qu'elles ont fait. Leur poitrine, voilà. Après, je sais que Marine, elle a fait le nez, Océane aussi. Après, exactement ce qu'elles ont fait. Donc, je sais qu'elles font beaucoup de sport. Il y en a une qui a fait les fesses. Il y en a une qui a fait les fesses. Après, franchement, je suis pas spécialiste là-dedans, j'avoue que. Mais après, et ça, non, ça te dit rien. Non. La graisse du ventre, ça te dit rien. Non. Après, okay. Peut-être généralement, quand elles font une opération, elles le mettent en story. Enfin, je sais qu'elle a déjà fait des stories où elle faisait des injections ou des trucs, ça, elle le montre. Et il est contre Gauthier. Ouais, bah moi, même moi, des moments, je leur dis, maintenant les filles, stop. Je leur dis, hein, clairement, je suis pas d'accord avec toutes mes sœurs. Hein. Mes sœurs, elles font plein de trucs où je suis pas d'accord. Comme moi, je fais des trucs où elles sont pas d'accord. Mais donc, qu'est-ce que tu réponds à Maïsan? Maïsan, ouais. Alors, Maïsan, ce que je réponds, c'est qu'elle a beaucoup de réparties. J'aime beaucoup comment elle répond, ça me fait rire. Tu vois, j'assume. Mais c'est pareil, c'est toujours les gens, dès que je m'attaque à eux ou que je réponds, ils attaquent mes sœurs, c'est la facilité. Moi, je dis, voilà, attaquez-moi, moi. Mes sœurs, elles y sont pour rien. C'est moi qui vous parle. Après, par rapport à Maïsan à l'émission, ce que j'avais dit, en plus, à la base, je parlais même pas d'elle. Je généralisais la chose. Au début, j'avais fait juste une story en disant comme quoi c'était n'importe quoi de faire autant de chirurgie parce que c'est les jeunes qui vont regarder et les jeunes qui vont peut-être faire n'importe quoi. Surtout que j'avais même dit, à la base, elle n'a pas forcément besoin de trop en faire. Bref, voilà, elle l'a mal pris dès que j'avais besoin d'appeler toutes les prods. Quoi. Elle a toujours besoin de se justifier dans ce milieu? C'est vrai, on a toujours besoin de se justifier, mais bah, si, en fait, si on a besoin de se justifier, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand on dit un truc sur toi, c'est soit tu dis rien, et puis bah, dans la tête des gens, quand tu marques sur Google ton nom, bah, c'est ce qui va ressortir. Soit tu réponds et tu essaies de démontrer que bah, c'est faux, et puis bah, après on te laisse tranquille. Parce que si tu dis rien, bah, tu es forcément coupable dans oui. la tête des gens. Voilà. Merci Gauthier, merci Anna, c'est à toi Anissa. Oula. Oui, alors moi Gauthier, j'ai voulu dire que tu n'étais pas pour que Marine et Océane participent aux apprentis aventuriers. Donc j'aimerais savoir pourquoi. Le 6, hein, numéro 6. Non, non, moi le seul truc que je voulais pas qu'elle fasse, c'était à l'époque où Marine était avec Julien, je voulais pas qu'elle fasse ses apprentis aventuriers avec lui parce que je le trouvais déjà un peu bizarre, c'était le seul truc. Mais là, les derniers trucs qu'elles ont fait, non, non, si elles font des émissions, tant mieux pour elles. Et toi, pourquoi tu fais pas les apprentis aventuriers? Bah, tout à l'heure, j'ai. En famille, je comprends pas, moi, ça. Bah, écoute, moi, j'ai. Alors, à la base, pour vous dire franchement les choses, lors du tout premier confinement, donc maintenant ça date, j'ai l'impression que c'est une autre vie carrément, je devais faire les apprentis aventuriers. Ah, la saison 5 est partie au cimetière? Ouais, pendant le confinement. Voilà. Exactement. Je crois que c'était en Thaïlande, un truc comme ça, à Bali, je ne sais plus. Je devais le faire, j'avais fait toutes les visites médicales, etc. Enfin, bref, je vais partir en urgence. Après, ça a été annulé, donc forcément, personne n'a fait. Il y a eu 3 jours de tournage. Ouais. Et après, c'est passé ce qui s'est passé. On a tout balancé sur Julien Guérin. Où je me suis embrouillé avec le producteur. Je lui ai dit mes 4 vérités, comme quoi moi, je m'en fous, j'allais balancer ça. Non, Gauthier, balance pas ça. Le business, tu comprends, il faut faire attention, etc. Un peu comme Magali avec Nathanaël, le même type de discours, le même, ma parole, le même. Moi, je dis, attends, je te fous ma gueule. Là, on parle de ma sœur, de violence, et tu veux que je fasse ma gueule, mais j'en ai rien à foutre. J'ai tout balancé. Et puis, ce jour-là, en gros, je me suis tiré une balle dans le pied. Il me l'a jamais dit concrètement. Mais, c'est ton interprétation. C'est mon interprétation. Même l'autre jour, j'ai fait un dîner presque parfait, juste une vidéo de mes sœurs, c'était pas possible. Mais comment ça va? Bah, attends, mais c'est W9 aussi, un dîner presque parfait. C'est pas la même prod. Oui, c'est vrai, c'est Studio 89 qui fait là, les là, princes, Mario au premier regard. Ah, même entre eux, ils se tirent des balles dans. Ah, ouais, d'accord. Et pourtant, la prod des princes, c'est des amours. Enfin, je sais pas citer de nom, mais enfin, en tout cas, que moi, c'est des amours. Mais je sais que voilà pourquoi j'ai pas fait ce type d'émission. Bah, vous avez, en tout cas, mon interprétation. Voilà pourquoi. Parce que j'ai dit des choses sur un candidat, peut-être qu'il fallait protéger, parce que bah, grâce à lui, il y avait des bonnes vannes. Quoi. Voilà. Mais comme on parlait tout à l'heure, hein, c'est l'argent qui domine tout dans ce milieu. Dans ce monde. Voilà, dans ce monde. Et c'est toujours pareil. Les choses, en fait, elles sortent petit à petit, parce que bah, petit à petit, les candidats ont peut-être moins d'influence, moins de vues, moins d'argent. Ils ont moins d'argent pour peut-être dire à tel blogueur, tiens, je te paye tant pour pas diffuser cette vidéo. Le blogueur le diffuse. Et petit à petit, ça se passe comme ça tout le temps. C'est le chantage beaucoup. Comme dans la politique, j'ai envie de dire. C'est le même système. Voilà. Et ça reste des candidats, aussi en politique. Une autre question qui tue ou non? Bah écoute, tu te maries quand avec Anastasia? Ah bah pas pour maintenant, c'est bon. Je vous invite. Mais ça fait un bail. Non, non, c'est bon, on a ouvert notre salle de sport. Allez, moi je vais venir partout dans tous les mariages. Ah bah vas-y, ta caméra, elle est là. Ah, elle est là. Bon, tu peux y aller à fond. Passer tes étés à Biscarros, on a ouvert un fitness, ça évitera d'aller faire trop de chirurgie, venez faire des squats. Ça c'est bien. Gauthier, ça a été un plaisir. Bah, pas un plaisir partagé, ça. De t'avoir à nos côtés, de t'avoir avec nous, de t'entendre parler de tous ces sujets, de balayer toute l'actualité de la télé-réalité, du monde de l'influence avec nous. Anissa, comme d'hab, le smile, femme fatale, ouais, fatale, Jinda, c'était top, comme d'hab, toujours un plaisir de se retrouver à tes côtés. Merci. Et Anna, comment ça va? C'était un plaisir. C'était un plaisir pour toi, cette première, alors vas-y, rapidement, débrief, comment tu t'es sentie? Je me suis sentie à l'aise, bien accueillie, vous m'avez mis tous à l'aise, c'était une super expérience, je suis trop contente.
Bon, et ben on va peut-être se retrouver pour la semaine prochaine, le numéro 92. J'espère. Bon. Si, on l'aime bien. Allez, prenez soin de vous, restez vigilants, précautionneux, surtout sur les réseaux sociaux. Les insultes, ça ne fonctionne jamais. Les menaces non plus. Les fausses suppositions, les fausses allégations. On peut interpréter, mais il faut toujours donner des arguments et être précautionneux. Prenez soin de vous. À la semaine pro. Ciao.